Salut tout le monde, coucou Rincevent et coucou Désespoir.
Ok, salut tout le monde, j'espère que tout va bien, que vous avez passé une jolie soirée, que le week-end s'annonce chouette. Salut Clem, on sort un peu de fou, putain, j'ai trop envie d'écouter de ça quoi. On sort mes galipettes, je vais mettre un petit en fond derrière. Ah, je profite allègrement du fait qu'on soit pas nombreux quoi. Yes, franchement, bah ouais, les classes. Parce qu'après tout ça va être strike, je pourrais plus le faire quoi. Monsieur Anarchiste, il m'a dit fais gaffe, tu vas te faire défoncer quoi. Mais bon, pour l'instant on s'en fout, on est des rebelles quoi. Pam pam. Tout ça c'est du Foumouge. Et alors tout ça c'est du Foumouge. C'est un auteur de ma jeunesse quoi. Et ça s'écrit comme ça. Et l'album s'appelle Monstrueuse Normalité, je crois. Ça c'est Pégase. Bah, coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde, on va quand même continuer à se le mettre un peu en fond quoi. Bah, il y a une période, c'est tout au cours des années, on va dire, ah coucou, merci, merci pour le follow. Il y a eu quand même une période, on va dire, dans les années, au milieu des années 2000, quoi, où les transfuges un petit peu de la free party, de la fin des années 90 ont fondé des labels, quoi. Merci, Melor Mineas, pour le follow. Oh là là, oh là là, Colette. Va plein de penser à toi pour la mission course. Donc, ouais, il y a eu une petite période comme ça, mine de rien, où l'électro française était au top du top quoi, faut dire ce qui est quoi. Donc c'était la belle expression à bah voilà, bah Hightone, tu vois, tout ça c'est ils se connaissent hein. Foumouge, Hightone, c'est le même label, c'est le label Jerring Effects. Et c'est un label lyonnais Radio Bombe, Hightone, Cali Light Up, etc. Et puis Ezekiel quoi. Ça c'est des Lyonnais. Et côté parisien, des gens qui ont créé le label Spiral, qui était lié à la teuf à la fin des années 90, et qui ensuite se sont un peu réfugiés dans des clubs pour faire alors soit du hardcore à la Manu le Malin ou à la Radium, soit pour continuer un petit peu les expérimentations de cette époque, mais qui étaient sur machine quoi. De type Crystal Distortion, etc. Mais quand ils sont passés sur PC, c'était drôle d'ailleurs parce que nous on les programmait à Creil, à cette époque-là j'étais à Creil, on les programmait à Creil et Crystal il voulait 800 balles et deux cachetons de d'MDMA quoi. Bah, c'était voilà, bah, on était dans autre chose et tout, voilà, autre période quoi. Mais c'était cool, mais j'imagine qu'il y a de la bonne tech en France aujourd'hui, j'en écoute plus quoi. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une chouette soirée et tout, quoi. Donc hier, moi, je vous avais proposé, perso,
un long live autour de la question de police, prison, incarcération, avec une comparaison entre les deux. Coucou Barmiche. Voilà, Narlex, je suis content, ça fait plaisir. Et en live, c'était ouf, parce que Radio Bong, il continuait à faire de la machine, quoi. Ouais, je veux bien te croire. Je veux bien le croire. Mais c'est l'époque où il y avait des gars défoncés à la Quetta, là, qui avaient la gueule dans les enceintes et tout, quoi. Pareil, je sais pas, moi, je veux pas faire le vieux con, hein, tout ça existe sans doute encore, hein. J'en ai discuté à l'époque où j'ai repris des études à la fac avec des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et honnêtement, bah voilà, on va pas faire les vieux cons non plus. Il doit y avoir des trucs cool aujourd'hui. C'est juste c'est moi qui en écoute plus, quoi. Donc, il y a eu tout ça. Attends, bon, je vais juste mettre un peu d'Ézéchiel dans le fond, quoi. Hop. Et bon, il y a, ouais, il s'agirait pas qu'on fasse, voilà, je pense que aujourd'hui aussi il doit y avoir des trucs très bien et tout. C'est juste que perso je connais pas, quoi. Donc voilà. Coucou Alceste, j'espère que tu vas bien. J'en profite pour souligner encore, je l'avais dit la dernière fois, qu'Alceste stream autour du jeu de rôle. En plus, je vois que tu publies beaucoup sur Twitter en ce moment autour du jeu de rôle. Ça m'intéresse, moi, l'application numérique et puis le nouveau guide de vampire là, que tu avais sorti. Bon, on en discutera. Et Alceste, j'ai pas noté le nom de ton pote qui fait du jeu de rôle en EHPAD et en milieu socioculturel, et ça m'intéresserait bien, mais on en discutera, quoi. Rincevent, j'écoutais surtout du rock à cette époque, je suis passé à côté de la musique électro, je regrette un peu. Ouais, non, bah, on est tous. Voilà, quoi. Nous, c'est vrai qu'on était à fond dedans à l'époque, en revanche, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Le concert d'Ézéchiel, par exemple, honnêtement, le Versus, je pense que c'est le concert de ma vie, quoi. Voilà, c'est clair, quoi. Il y avait un truc à ce moment-là dans leur visu et tout qui était complètement dingue, quoi. Donc voilà, bon, alors on attaque pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont là. Je vous fais vite fait le programme du jour. Bah, comme d'hab, André, elle arrive quand elle arrive. Trop content de la retrouver. Je me suis senti tout seul la semaine dernière, quoi. Donc, retour d'André aujourd'hui. Elle a un joli programme. Je vous signale deux annonces. La première, c'est que la plus importante. Ah, bah, elle est là! Elle est là. Bah, je vais ouvrir le Discord. Hein. Tu viens quand tu veux, quoi. Alors, attends, je fais mes deux annonces. Première annonce. Il y a le meilleur stream du monde. J'ai demandé à Scylla comment elle voulait que je présente son stream. Elle m'a dit juste, tu dis que c'est le meilleur stream du monde. Donc, ce que je fais là, quoi. Donc, il y a le meilleur stream du monde qui reprend tout à l'heure à 13h. Je sais pas, New, si on n'aura pas fini, nous, à 13h, quoi. Bon, on va voir. Dans tous les cas, on fera l'annonce un peu plus tard. Scylla et New interview quelqu'un qui est en centre de rétention fermé, je crois. Réécrivez-le dans le chat, quoi. Ok, bah on se tient au jus, hein, de toute façon, quoi. Et donc New et Scylla font une grande interview aujourd'hui. On va pas rater ça, quoi. Donc on fera la transition avec Scylla et New. Et en parallèle, nous avec Andrea cet après-midi, on discute avec. Qu'est-ce que t'en dis? Pour vous préparer pour demain matin, un react sur une grande conférence de Frio. Voilà, le programme de demain sera un petit peu bousculé. Je verrai avec Andrea, mais aujourd'hui, on a décidé de partir sur deux dossiers, alors que j'hésitais beaucoup parce qu'il y a une actualité brûlante la semaine prochaine, et notamment autour des grèves. Et j'aurais bien voulu refaire une espèce de petit bilan sur ce qu'il y a la semaine prochaine. Donc, je pense que peut-être demain matin, je le ferai une demi-heure, parler un petit peu des grèves qui vont venir la semaine prochaine. Et puis Marcel, de toute façon, il vous reprendra. Marcel, Scylla, New, Barbara, coucou Barbara. Tout le monde vous feront le programme de la semaine prochaine, quoi. Donc on verra peut-être demain matin de 8h à 8h30 un petit point presse plus rubrique à braque, comme dit Andrea. Et ensuite on glissera vers bah, tranquillement vers l'interview, vers le react qu'on vous proposera. Allez, on y va, c'est parti. Et j'ai une surprise pour Andrea, mais elle ne le sait pas encore, quoi. Tintin, c'est la soupe sur du plexiglas. Ouais, voilà. Bah,
Comme d'hab, hein, le syndicat des vitres, les fenêtres des vitres sont tristes, quoi. Allez, c'est parti. Et donc, on est parti sur un petit Gilles générique. C'est parti. Magactu numéro what 1000, quoi. Ouais, mais celle-là, j'ai donné. Je suis levé depuis 5 heures ce matin. En fait, j'ai passé 2 heures à faire ça, quoi. Mais du coup, j'ai pas préparé tes onglets. Voilà, t'as le truc, mais je risque d'être un peu à la route sur tes onglets, quoi. Allez, c'est parti. Vas-y, Gilles, fais-nous rêver. On y va, hein? Alors, je vous dois d'abord des explications pour tout ça. Voilà, bah, j'espère que vous en avez profité, vous, du générique, parce que moi, non, j'ai pas de son dans les oreilles. Bon, comme ça arrive un coup de temps en temps et tout. Mais on s'en fout, on est parti. Et donc, petit programme de la matinée, bah, je laisserai Andrea. Ok, cool. Je laisserai Andrea vous présenter son dossier. Je lui ouvre le micro. Nanan. Hop, démarrer l'appel. Voilà, bah écoute, c'est quand tu veux. Voilà. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tout marche? Ouais, normalement c'est bon. Ok. Bon, bah tu dis, hein, Andrea, tu t'exprimes quand tu veux t'exprimer, quoi. Alors, donc ce matin, donc deux dossiers, donc le dossier d'Andrea en deuxième partie qu'elle vous présentera dès qu'elle sera en place, le micro lui ouvert. Et dossier première partie, je voudrais faire un point que je voulais faire depuis longtemps sur le travail social. Ça me permet aussi, mine de rien, de compléter. Ça me permet aussi de compléter ce que j'ai pu proposer hier, parce que j'ai plein de points d'insatisfaction par rapport à ce que je vous ai proposé hier. Et notamment, je voulais vous faire écouter un passage qui était que je trouvais important, enfin pas important, mais que je trouvais vraiment intéressant dans le développement de Foucault. Et donc je vais essayer de le faire là aujourd'hui. Alors, donc on va le faire dans cet ordre-là. Je vais commencer par vous parler de travail social. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps. Et ensuite, on débouchera sur le dossier d'Andrea. Nanan, alors il est où? On va enlever l'image. Hop, voilà, c'est parti. Donc, alors, on y va sur le dossier travail social. Je vais commencer effectivement, coucou Nashka. Je vais commencer effectivement par cette question-là, parce qu'il y a eu une série de grèves cette semaine, ce qui est quand même pas hyper, c'est pas souvent quoi, c'est pas souvent qu'il y a des grèves du côté du travail social quoi. Ça m'embête qu'Andrea, j'espère que ça va marcher quoi. Je flippe toujours un peu par rapport à ça quoi. Est-ce que Ah tu m'entends yes, là? putain, Ouais, yes, ouf, yes, cool. voilà. Ah, salut tout le monde. Bon, ça va, ce matin, ça va alors. Ça va. Ouais, voilà, c'est pour ça. Attends, je te mets en ligne. Vas-y, parle. Alors, Ok, salut tout le super, monde. putain.
Vas-y, C'est bah comme. écoute, présente-nous tranquille ton dossier du Oui. jour avant que j'attaque, quoi. Moi, je vais faire une rubrique en vrac. Voilà. Bah écoute. C'est-à-dire que là, comme pendant 15 jours, j'ai à peine touché le sol, tellement j'avais du taf, je me suis de temps en temps octroyé une pause Twitter, j'ai découvert des choses, et puis j'ai un peu cumulé tout ça. Mais le gros, gros dossier, ça va être la laïcité, là. On va revenir sur les propos de Pape Diaye. Et puis j'ai ma. Eh, écoutez, que serais-je sans ma petite panique morale de la semaine? Alors je vous ai quand même prévu une petite panique morale, automne-hiver, collection. Voilà, collection premier Frima. Et ça sera pas mal, vous verrez. Puis sinon, ben ouais, on peut parler effectivement de ce qui va se passer mardi aussi, à partir de mardi. Je crois même que sur Nantes, vous avez un CRA qui est en train de s'ouvrir, là, un CRA. Donc il y a des mouvements en cours de ça. Bon, enfin voilà, on en parlera. Ouais, ça C'est sera pour pas ça mal. que, à la limite, ça pourrait être pas mal. Alors, soit tu as les infos dès ce matin, on en Oui, parle dès l'ami. ce matin, soit sinon, effectivement, demain matin, avant Ouais. le React, on se Ouais. fait un. Là, cette fois-ci, on le fait à deux, et on Ça fait marche. un 8h, 8h35. Enfin, t'arrives quand tu veux. Hein. Mais on se fait une première partie où on se fait un petit programme de la semaine, quoi. Je pense que ça peut valoir le coup, dans vos villes et tout. Comme ça, vous pourrez, sur le chat, nous dire aussi un petit peu ce qui se passe dans vos villes, quoi. Excellente Je me dis idée, que ça ouais. pourrait être assez intéressant, d'aller dans ce sens-là, quoi. Ouais, faire le Ok. tour du calendrier, bien vive la grève générale, ouais, tu m'étonnes, ça sent la grève générale là, hein, ouais. Ouais, ben on espère. Après, il y a eu des fois où on l'a senti et elle n'est jamais venue. Donc c'est vrai que voilà, bon, on va Oui, en croiser les doigts effet. aussi sur ça, quoi. Ouais. Donc effectivement, demain matin, on vous fait un petit point sur la semaine. Et les gens dorment ici. Ben ouais, ben nous, ça dort pas, mais ça peut être confus. Alors des fois, le problème, c'est que c'est le problème de Nantes, quoi. C'est que ça dort pas, mais voilà, parfois c'est un peu. Mais bon. C'est comme ça et tout. Ça adore un autre moment. Ouais, voilà, ça dort quand ça devrait pas dormir. Ça fait la sieste en fait. Nantes, Ouais, vous êtes ça fait comme les un peu. sudistes en Non, vrac. ouais, non, 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 mais disons qu'on a des relais sur le. Enfin, je sais pas. Disons que Nantes révoltée nous a fait pas mal de mal, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. Les confus, ils sont partout en ce moment, quoi. Ouais. Et depuis quelques temps en plus, quoi. Et surtout, il y a eu quand même une grande période de bas les masques. Moi, j'ai l'impression. La fin du Covid, ça a été bas les masques pour un certain nombre de confus, quoi, On qui pourra faire étaient un petit point d'ailleurs passés. sur la situation. Ça me tu me donnes une pour tout à l'heure, vite fait. Petite anecdote Non, bah, hésite pas, quoi. N'hésite pas. sur le masque, sur le retour du, enfin le retour. C'est pas un retour d'ailleurs sur, disons le Covid qui pointe le bout de son nez en établissement scolaire aussi à fond, à fond, à fond. Ouais, grave, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, j'ai même pas fait exprès sur bas les masques. Mais ouais, ça a été quand même bas les masques. Le masque a été bas les masques. Bon bref, donc voilà, on est content de faire des blagues du matin. Et on est parti. Ça marche ça, ce truc-là? Allez, tournée de café, c'est parti. Hop, Ouais, voilà. Et on est parti. Non, c'est nul ça. On est parti. Donc, premier thème, la crise dans le travail social. Je voulais le faire et je voudrais aussi remettre en perspective. Je vais quand même essayer de le faire vite. Je ferai un truc un petit peu plus long. Mais je voulais remettre en perspective le travail social en ce moment. En plus, c'est assez rare. Ah, bah voilà. Merci. Merci, Radio Cara. À moins que tu le dis. Ah oui, tu le dis en machin. Oh, bah je ferai le point. On fera un petit point en entrée voltée, mais je sais pas si c'est si intéressant que Ouais. ça, quoi, tu vois. Mais bon, pourquoi pas. Alors, je lance mon le premier le mon, la première le premier dossier. Donc, je voulais effectivement vous parler de travail social. Il y a eu une grève il y a 2-3 jours. Je vais vous lire vite fait l'article du Monde pour qu'on entende. C'est mon accroche actu, quoi. Pour qu'on entende un petit peu ce qui s'est dit dans les rangs de la manif. Et c'est vrai que c'est pas non plus. Enfin, c'est pas si souvent que ça que les travailleurs sociaux se mettent en grève. D'accord, ok.
D'accord, Radio Cara, toi tu penses que Nantes révoltée, c'est pas confus. Ok. Ouais, c'est tout un débat, quoi. Donc tu m'excuseras de pas le lancer ce matin. En plus, il faudrait que je vienne avec des billes et tout, sinon ça a pas de sens, quoi. Donc allons-y sur cette thématique autour du travail social. Il se trouve que il y en a qui le savent parmi vous, mon espèce de boulot alimentaire du moment, c'est de donner des cours, enfin c'est plus ou moins des cours, plutôt de la formation, je donne des cours à des jeunes gens qui préparent les concours de travailleurs sociaux, voilà, essentiellement quoi. Donc du coup je suis un petit peu dedans et tout, et je voudrais aussi que vous ayez ce regard un peu de l'intérieur, même si je suis pas travailleur social, ok. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir sur ça. Et je vais essayer de vous montrer. Alors, je pense qu'il est ici. Voilà. Je vais commencer par un article du Monde qui a évoqué le cas cette semaine, qu'on les entendait un petit peu au sein des manifs, quoi. Et ensuite, je vous ferai une espèce de petite mise en perspective du travail social, de ce qu'on peut appeler le travail social. J'essaierai de vous faire écouter un tout petit peu Foucault et une grande conférence du CNAM. Mais ça va surtout être un teasing. Je ferai un long stream, peut-être mardi matin, autour de la construction de l'État et du travail social. Voilà, je pense que je vais le faire dans ce sens-là. Le secteur du médico-social en pleine crise, les professions du care souffrent d'une perte d'attractivité. Enfin, ça, c'est pareil, tu vois, qu'on n'appelle pas ça comme ça aussi, mais bon, c'est un autre souci. Souffrent d'une perte d'attractivité dans un contexte où les conditions de travail se dégradent et où les rémunérations ne suivent pas. Donc on est sur un article qui a été publié hier, hein, hier à 15h, quoi. C'est la première grève de Sylvie Julien et de Myriam Boubou en quelques 30 ans de carrière au centre d'action sociale de la ville de Paris. Avec une poignée de leurs 1500 collègues, ces deux femmes ont manifesté derrière l'hôtel de ville de la capitale mardi 11 octobre pour réclamer d'obtenir la prime Ségur, soit 159 euros net par mois. Au passage, au moment où il y a eu le Ségur de la santé, vous avez effectivement le secteur social qui a été un petit peu le grand oublié du Ségur. Oublions pas, je le redirai tout à l'heure, que le secteur social en France s'est construit en s'autonomisant du secteur médical et paramédical. Il y avait du côté des infirmières des visiteuses de la tuberculose et des visiteuses, il y avait un autre terme, des familles, je crois. Et c'est ce petit corps qui s'est autonomisé du secteur médical pour devenir les assistantes sociales. Et ensuite, on a eu la construction d'abord de l'assistance, enfin, de l'assistance publique, puis de l'aide sociale. Donc le secteur social a un rapport assez complexe avec le secteur médical. Au niveau des concours, par exemple, le changement des modalités d'entrée en IFSI depuis la fin des. Depuis 2000. 2012, je crois, un truc comme ça, quoi, un petit peu plus tard, c'est-à-dire maintenant il n'y a plus de concours, mais au début il n'y a eu qu'un oral et aujourd'hui c'est tout par Parcoursup. En fait, il y a eu une mise au pas des concours liés au travail social, c'est-à-dire les entrées dans ce qu'on appelle les instituts régionaux de travail social, dans la foulée, en fait, de ces changements-là. Donc il est évident que le secteur de la santé et le secteur social sont très souvent pensables dans la même dynamique, mais il faut dire aussi qu'il arrive que les deux aient du mal à discuter les uns avec les autres ou soient séparés les uns des autres. On nous balance qu'on n'est pas dans le social, mais il y a écrit agent social sur nos fiches de paie et les restaurants où on travaille ne sont pas comme les autres. Autre spécificité, il y a aujourd'hui 147 certifications qui peuvent être assimilé à ce qu'on pourrait appeler de l'intervention sociale. C'est donc un secteur qui est devenu multiple. J'essaierai de vous donner l'exemple avec en posant la question de qui intervient dans l'espace public. Et vous verrez que effectivement il y a un monde fou dans l'espace public et que ce qu'on rangera du côté de l'intervention sociale n'est pas assumé seulement par des travailleurs sociaux. Travailleurs sociaux qui, à l'intérieur des écoles, pour l'instant, c'est juste les assistants de services sociaux, les moniteurs éducateurs, les éducateurs spécialisés et les éducateurs jeunes enfants. Et ensuite, vous avez une création de myriades des conseillers en économie sociale et conjugale, les AESH, avant les auxiliaires de vie scolaire, etc. Vous avez comme ça tout un tas de professionnels qui font un boulot dingue et qui correspondent à des certifications qui ne sont pas toujours reconnues en tant que telles. Donc, vous voyez qu'on est face
face à un secteur qui est multiple et qui, du coup, au moment de certaines revalorisations ou de certains débats, peuvent être laissés au bord de la route, quoi. Voilà, c'était pour vous remettre un peu fait voler Sylvie Julien. Elles font la mise en place de services la vaisselle et le ménage dans les restaurants Émeraude pour personnes âgées. Voilà, on est face à de l'intervention sociale. Et bien davantage, elles accueillent chacun avec un mot gentil, aident des personnes en fauteuil roulant, coupent la viande, nettoient les multiples petits dégâts sous les insultes parfois. On se sent dévalorisé, cela va plus loin que l'argent, on veut l'égalité, on veut être reconnu pour notre travail. Énonce posément Myriam Bouboun. Le mot reconnaissance revient comme un leitmotiv presque toujours accompagné du mot épuisement dans la bouche de nombreux professionnels de la protection de l'enfance ou de l'accompagnement des personnes précaires, handicapées, âgées. 15 000 d'entre eux sont descendus dans la rue le 28 septembre sous la bannière « Qui prend soin de nous ?». Une influence inédite pour ceux qui prennent habituellement soin des autres. Pour ceux qui prennent habituellement soin des autres mais qui n'a guère eu d'écho. Le malaise dans ces professions du care, s'il n'est pas nouveau, a gagné en intensité après la crise engendrée par le Covid-19. Lors des confinements, chacun s'est impliqué à inventer, quel que soit son service, mais on n'a pas fait partie des professionnels prioritaires pour l'accès aux masques. On n'a pas parlé, nous, à la télévision, déplore David Souchet, directeur de l'association sociale Le Relais, qui intervient dans le Cher et dans la Nièvre. Les oubliés du Ségur, les personnels du social et du médical, du médico-social, dont les salaires déjà peu élevés avaient progressivement été rattrapés ou talonnés par le SMIC, ont ensuite été les oubliés du Ségur. La conférence de juillet 2020, à l'issue de laquelle la prime du même nom a été allouée aux employés des hôpitaux et des EHPAD, a depuis été élargie à deux reprises, mais certains restent encore sur le bord de la route, comme les écoutants du SAMU social ou du 3919, le numéro national d'urgence pour les femmes victimes de violences. Idem pour les fonctions administratives, techniques et logistiques, souvent les moins bien rémunérées, qui sont pourtant indispensables dans les établissements prenant en charge des publics vulnérables. Avec à la clé un sentiment d'injustice, même ceux qui ont fini par avoir le Ségur sont amers d'avoir perdu un an, constate Isabelle Rago, qui dirige un foyer d'accueil médicalisé de APF France Handicap à La Rochelle. Et entre la flambée de l'immobilier et l'inflation, cette prime ne suffit pas toujours à les retenir. Je vais le faire tout de suite, le petit point autour de cette multiplicité du secteur social. Si vous prenez par exemple qui sont les professionnels qui sont merci Nassel. Merci Nassel pour le follow. Si vous prenez par exemple les professionnels qui sont présents dans la rue et dans l'espace public, quoi. Vous allez avoir les professionnels du travail social proprement dit, donc selon les quatre métiers que j'ai édictés, qui travaillent dans l'espace public, sont des éducateurs spécialisés qui font partie de ce qu'on appelle de la prévention de rue. À Nantes, c'est ce qu'on appelle l'ADPS, l'Agence départementale de prévention spécialisée. Ils ne sont pas déployés sur tous les territoires de Nantes, par exemple. Ils sont à Bellevue, ils ne sont pas à Nanterre, etc. Et donc, du coup, vous voyez bien que donc, eux, ils sont présents dans la rue et ils sont soumis à ce qu'on appelle un secret professionnel lié à leur statut. Ça va être important pour la suite. Mais dans l'espace public, il y a plein de monde. Et là, vous voyez fonctionner l'État, à la fois dans une dynamique d'économie de coûts et dans une dynamique de transversalité, on va dire. Donc ça veut dire que, par exemple, moi je travaille avec une compagnie de théâtre dans laquelle on a un clown de rue et qui a un diplôme du rire médecin, qui est clown en établissement de soins et qui déambule dans la rue pour livrer les informations du quartier et pour faire de l'accès aux droits. Vous avez du côté de la mairie le van de Nantes Solidaire qui s'installe aussi dans les quartiers pour faire un point d'accès aux droits. Vous avez des associations qui font de l'aide à la fracture numérique et qui peuvent se placer aussi dans l'espace public. Vous avez des opérations qu'on appelle hors les murs assez régulières dans lesquelles vous avez plusieurs associations qui sont réunies pour... voilà. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que une compagnie, par exemple, avec laquelle je travaille, qui s'appelle le Bal de Bellevue, qui est une magnifique compagnie, quoi, qui fait de la collecte dans les immeubles auprès des gens, en fait, de leur danse, quoi, vendéenne, cambodgienne, malienne, etc. Et qui, à partir de cette collecte-là, réalisée par des ethnomusicologues, fait un répertoire de danse qui va être transmis par l'intermédiaire de passeuses de danse, qui sont les dames du quartier, et qui donnera lieu à des bals populaires. Voilà une association qui, indépendamment,
enfin qui indéniablement fait de l'intervention sociale. Cette association qui fait de l'intervention sociale, au moment où elle va chercher une subvention auprès du département, on lui explique, normalement la compétence cohésion sociale, on lui explique que c'est une association artistique. Or, quand elle va à la DRAC pour demander une subvention artistique, on lui explique qu'elle fait du social. Donc on vit encore dans un moment qui a du mal à penser les transversales. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle travail social aujourd'hui, c'est de fait une réalité qui est multiple. C'est ces dames dans ces restaurants qui s'occupent de ces pensionnaires, c'est des personnels de l'éducation nationale, c'est etc. Moi, je vous ai juste fait ceux qui sont présents dans l'espace public. Je pourrais prendre n'importe quelle structure et on pourrait le voir à ce niveau-là. Alors, Domichki, on parle effectivement de secret professionnel. Ça coupe le son ? Ouais, non, normalement, ça doit aller. Je vois ma barre qui monte tranquillement. Alors, vous avez deux types de secret professionnel. Vous avez un secret professionnel par statut et un secret professionnel par fonction. L'assistante sociale, par exemple, a un secret professionnel par statut. Du côté des éducateurs spécialisés, je crois qu'il y en a dans le chat, je me rappelle plus si c'est un secret professionnel par statut ou par fonction. C'est-à-dire, en gros, par fonction, c'est quand vous êtes... vous pouvez être dans une structure dans laquelle il y a un secret professionnel. Et il me semble que l'éducateur spécialisé de la prévention spécialisée, par exemple, c'est sûr, lui, il a un secret professionnel. De l'autre côté, vous avez des gens comme des profs ou autres qui, eux, ont plutôt une discrétion professionnelle et pas un secret professionnel. Voilà, vous avez un statut un peu... Alors, j'ai les textes de loi qui sont juste à côté, là, sur mon lit, parce que je prépare un cours sur ça, là, mais... Il y a la notion de secret partagé, aussi. Tu fais bien de le dire. Bah, là, par exemple... Il n'est pas évident à mettre en place, en vérité. On le voit dans les équipes, c'est pas... C'est compliqué, hein, tu vois. Oui, c'est compliqué. Ce qui est compliqué aussi, c'est quand il y a des acteurs qui travaillent ensemble et qui ne sont pas sur le même régime du secret. Par exemple, vous avez à Nantes ce qu'on appelle des médiateurs de quartier. C'est une délégation de services publics sur une association qui s'appelle Optima et qui est essentiellement financée par des bailleurs sociaux et qui fait du conflit de voisinage et de la médiation de rue. Le truc, c'est que quand ils croisent les éducateurs de la prévention spécialisée, ils leur donnent des infos. Et ces infos, elles reviennent jamais jusqu'à eux parce qu'après, il y a la barrière du secret. Et donc, du coup, on se retrouve avec des discontinuités sur le territoire, des hiatus qui sont très pénibles pour les médiateurs de rue qui, quand ils revoient la personne, ne savent pas ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Donc, vous voyez, il y a aussi la question du secret est une question un peu complexe. On voit bien aussi, et c'était cet exemple qui visait avant tout à montrer ça, qu'on se retrouve avec une multiplicité du travail social qui s'incarne pas toujours dans une action cohérente et surtout qui laisse sur le bord du chemin pas mal de ses acteurs. Je sais pas, Andrea, si tu veux répondre à cette question. Moi, c'est la santé publique en fait. Là, ça ressort du code de la santé publique, là, je crois. On doit pouvoir, en gros, on doit pouvoir partager des informations une équipe peut partager les informations dans le cas où on participe à la prise en charge d'une personne. Voilà, donc par exemple, là sur un élève, si l'infirmière a décidé de nous tenir au courant de sa problématique personnelle, il est possible qu'elle le fasse. Enfin, ce personnel doit pouvoir le faire. Il n'est pas obligé, enfin, ça dépend des besoins de spécifiques aussi de l'élève pris en charge, par exemple. Moi je dis élève parce que je travaille dans le N, hein, mais je crois que c'est beaucoup plus large. C'est un secret médical en fait, partagé à d'autres professionnels, pour faire très bref quoi. Donc il y a des moments où ça se justifie que le secret soit partagé. Par rapport à. Nous, je vais être très clair, on avait un élève à tendance suicidaire, on a partagé le secret quoi. Enfin, l'infirmière. Ouais, là, tu as fait une IP, là, tu as fait une information préoccupante parce que tu es sous le régime de la protection de l'enfance, non? Oui, complètement. Ouais. Dans ces cas-là, ça s'impose même, j'ai envie de dire. Si ça ne s'imposait pas, ça serait gravissime. Parce qu'il y a tous les personnels de vie scolaire, il y a les professeurs qui doivent être extrêmement vigilants sur l'attitude d'un enfant qui serait en détresse totale. Quoi. Après, la question, je ne sais pas ce que tu en penses toi, en tant que prof, c'est... Moi, ma maman est assistante sociale en milieu scolaire.
La question, c'est le prof fait une IP. Le prof fait bien son boulot, c'est-à-dire il n'essaye pas de faire l'assistante sociale. Il fait une IP où il en parle avec l'assistante sociale et tout, etc. La question, c'est est-ce que l'information, elle doit forcément... est-ce que l'assistante sociale doit être tenue de repartager ses infos auprès des profs? Pour moi, non, quoi, tu vois. Oh, non, non, tout, pas du tout. Voilà, pas du tout. Quoi. On peut dire, juste dans ces cas-là, on a des... un peu des codes, tu vois, c'est, voilà, c'est souvent, bon, le problème, c'est que parfois, c'est caricaturable, parce que quand des personnels sociaux nous parlent de « c'est compliqué », ils nous disent « c'est compliqué ». Bon, c'est un peu un nom de code pour dire « ok, il y a un problème social voilà, important, pas d'ordre matériel ou autre ». Voilà, bon, moi, je trouve que c'est un peu normal. La question du lien entre les EDUXPE et les médiateurs de rue et la gendarmerie ou la police est assez complexe. Il faut savoir que, d'abord, premièrement, de toute façon, alors, moi, j'ai fait l'enquête du dispositif de médiation de rue à Nantes. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une opération, une descente de la BAC ou etc., ça fout en l'air tout leur taf. Bon, déjà, ça faut le savoir. Et les médiateurs de rue ne sont pas au courant. Mais surtout, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les médiateurs de rue posent la question quand il y a quelqu'un qui les appelle, quoi, ils demandent est-ce que vous avez appelé aussi la police, parce qu'il est hors de question pour les médiateurs de rue d'arriver en même temps que la police sous peine d'être assimilé par le quartier à la police. Et c'est important pour les médiateurs de rue qu'on reconnaisse qu'ils n'ont rien à voir avec la police, ce qui est effectivement le cas. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas les outer là maintenant. Donc du coup, normalement, il y a une certaine indépendance entre alors d'autant plus entre les médiateurs de rue et la police, et d'autant plus entre les éducateurs spécialisés et la police. Après, c'est ce qu'on disait avec Andrea, vous avez quand même une loi de protection de l'enfance qui a été signée d'ailleurs en même temps que la loi de la prévention de délinquance, et on est tous, nous, citoyens, tenus vis-à-vis de cette loi de protection de l'enfance, quoi. Ça, c'est évident, quoi. Donc, à ce niveau-là, effectivement, un éducateur spécialisé doit faire le taf. S'il y a même suspicion d'enfants battus, il y a appel... Alors, l'information préoccupante n'est pas adressée à la police, elle est adressée au procureur. Donc, il y a quand même une médiation par l'institution judiciaire. Il me semble que c'est ça, hein, André. Hein. Les informations préoccupantes, c'est le procureur qui les reçoit, c'est pas on n'écrit pas la gendarmerie. Ça s'est beaucoup fait ça se fait avec Pharos, j'imagine, à fond. Ouais. C'est-à-dire là, sur les fameux signalements dont on parle souvent à propos de manquements au principe de laïcité, de tout ça, tout ça. Tu sais quoi, dans ce cadre-là, ils cherchent des... T'as le choix hein, de faire en sorte que ça soit examiné par le proc, si vraiment c'est jugé comme... Enfin, c'est le chef d'établissement aussi qui... Ouais, d'accord, ouais. Cide avec concertation des personnels concernés de faire remonter au proc, quoi. Après l'état social, enfin ça peut après, être bien on est extrêmement dangereux, quoi. Après, les fonctionnaires forment une chaîne, ça veut dire, moi, ça m'est déjà arrivé, et franchement, j'ai pas de scrupules, c'est normal, hein, c'est fait comme ça, en tant que, à l'époque où j'étais prof, j'ai déjà fait une information préoccupante qui s'est révélée pas vraie, quoi. Mais moi, c'est pas mon truc, après, c'est à l'assistante sociale à aller faire son travail, quoi. Si, oui, ça, c'est dans le cadre d'un problème familial, c'est quand il y a des violences intrafamiliales, par exemple, ouais. Ou des soupçons de... Voilà, ouais, ça, on d'accord. On n'est pas des poucaves, tu vois, au moment où on écrit une information préoccupante, quoi. Moi, j'ai pas eu ce cas-là, j'ai eu le cas vraiment où on demandait d'examiner le cas d'un élève qui avait justement une attitude extrêmement préoccupante pour eux au niveau du comportement et du prosélytisme religieux et de tout ça. C'était vraiment... De toute façon, depuis 2015, on est à fond... sur cette problématique-là. Après, vas-y. Violence intrafamiliale et tout ça, oui, c'est l'information préoccupante, c'est beaucoup plus... Enfin, il vaut mieux... On nous dit souvent, il vaut mieux alerter pour rien que passer à côté de... Voilà, puis a priori, normalement, ça déclenche pas un emprisonnement de qui que ce soit au moment où un prof fait une information préoccupante. Hein. Ça déclenche juste une chaîne d'acteurs sociaux, et pas policiers d'ailleurs, voire juridiques voilà, dans certains cas. Ouais, mais après, je t'ai envoyé ce matin le petit message d'Hélène Salvi là, sur l'entretien de Pape Ndiaye que tu liras tout à l'heure. C'est pourquoi les chefs d'établissement doivent regarder précisément les signes ostensibles. Est-ce que la jeune fille qui porte telle ou telle robe la met régulièrement? Est-ce qu'elle refuse de changer de tenue? Est-ce que cela s'accompagne d'autres signaux? Là, on voit qu'on passe aussi dans autre chose et tu développeras ça tout à l'heure. Oui,
Voilà. Bon, Bon, alors. là, on voit bien qu'il y a une différence entre le niveau de l'information préoccupante et le niveau de flicage auquel on nous amène. Non, on ne se fait pas Absolument. taper sur les doigts pour une IP fausse, franchement. Enfin, moi, ça m'est arrivé 2 fois de faire des IP fausses, quoi, en 15 ans de carrière. Bah non. Ouais, puis après, moi, j'avais ma conscience pour moi, quoi. Voilà. Et puis surtout, c'est jamais sorti en dehors d'une transmission à l'assistante sociale et d'un dialogue avec l'assistante sociale, puisqu'on avait de la chance d'avoir une assistante sociale dans mon établissement. Et voilà. Donc bon, bah c'est comme ça. En fait, le problème, c'est les profs qui essayent de sortir de leur rôle. Voilà, c'est ça qui est insupportable. Les profs qui essayent de sortir de leur rôle, essayent de trop en faire. Si tu as une confession d'un enfant, ou que dans le cadre d'une rédaction en français, t'as donné, il semble qu'il y a des choses, bon, bah, ce que je dis encore, hein, il y a une loi de protection de l'enfance, quoi. Voilà. Maintenant, si après, il se trouve que, bah, c'est à l'assistante sociale à aller, elle, faire son enquête. C'est quand même une. Elle a quand même un rôle d'enquête, hein, l'assistante sociale. Enfin, d'enquête sociale, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est à elle d'aller travailler sur ça et tout, etc. Il faut dire ce qui est. C'est vrai que c'est déjà arrivé que des adolescentes de 13 ans, dans le cadre d'un. Mais il faut quand même écouter ce qu'elles ont à dire, hein, ces adolescentes. Mais ça arrive aussi que des adolescentes de 13 ans, en bisbille avec leur mère, par exemple, jouent sur le divorce des parents et jouent l'un contre l'autre. Avec des propositions qui sont pas toujours vraies, quoi. Maintenant, ça dit quelque chose du malaise de cette jeune femme et il faut, enfin, de cette jeune fille, et il faut aller travailler le truc, quoi. Mais ça, c'est le boulot, effectivement, des services sociaux, quoi. Voilà. Bon, il faut bien voir que normalement, il y a une chaîne d'acteurs dans ce pays, quoi. Bon, je continue un petit peu. Idem pour les fonctions administratives, techniques et logistiques, souvent les moins bien rémunérées, qui sont pourtant indispensables dans les établissements prenant en charge les publics vulnérables. Vous voyez, les professionnels sont là, hein, avec à la clé un sentiment d'injustice. Même ceux qui ont fini par avoir le Ségur sont amers d'avoir perdu un an, constate Isabelle Rago, qui dirige un foyer d'accueil médicalisé de APF France Handicap à La Rochelle. Et entre la flambée de l'immobilier et l'inflation, cette prime ne suffit pas toujours à les retenir. Déçus, usés, beaucoup d'anciens quittent le métier, désertent le terrain. Il y a toujours eu du turnover dans nos métiers, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, explique Christelle Fossitano, directrice du foyer de l'enfance du Gard situé à Nîmes. Mais avant, les professionnels restaient en moyenne entre 3 et 5 ans. Aujourd'hui, s'il reste une année complète, c'est bien. Une frange a choisi d'exercer en intérim pour éviter de travailler certains soirs et week-ends, ce qui coûte très cher aux établissements qui les sollicitent. Manque de nouveaux candidats. Autre motif d'inquiétude, les nouveaux candidats manquent et leur profil a changé. Alors que par le passé, les candidats des carrières dans le social avaient bien souvent une première expérience professionnelle ou une appétence particulière pour ces métiers, désormais ce sont de très jeunes gens qui arrivent dans les instituts de formation directement après le bac au hasard de Parcoursup et se retrouvent sur le terrain 3 ans plus tard. Nous ne faisons pas le plein à l'entrée des formations et 20 à 20% abandonnent en cours de route, témoigne par exemple Éric Marchandet, qui dirige l'Institut régional du travail social de Montrouge. Le mouvement est particulièrement visible après les premiers stages insuffisamment encadrés. Eh, mais franchement, ça, ça se fout de la gueule du monde, quoi. Je suis désolé, mais en fait, pendant très longtemps, donc moi, ça fait 6 ans que je donne des cours plus ou moins à des jeunes gens qui veulent passer les concours de travailleurs sociaux. Au début, il y a 6-7 ans, j'avais au moins un quart de mes étudiants qui avaient plus d'une trentaine d'années, qui étaient qui étaient en reconversion. Et qui étaient des acteurs socioculturels, enfin voilà, de multiples. Et donc ces gens-là rentraient en école. Et quand ils étaient en école, c'était intéressant pour toute la promo parce qu'il y avait d'autres expériences qui étaient échangées, etc., etc. Et donc on avait des promos qui étaient presque à un tiers. Je ne sais pas s'il y a des travailleurs sociaux parmi vous qui pourraient confirmer ou infirmer ce que je dis là, mais il y avait beaucoup de reconversions. Or, il se trouve que il y a eu une mise au pas des écoles d'orthophonistes, d'infirmiers, de travailleurs sociaux, qui, sur le papier, sont des écoles à bac zéro. Et il y a un deal qui a été passé entre l'État et ces écoles-là, c'est-à-dire, vous passez, c'est une demande des assistantes sociales depuis 50 ans, c'est qu'elles soient reconnues bac plus 3, ce qui est enfin le cas. Un travailleur social, aujourd'hui, un EDUCSP, une assistante sociale, une éducatrice jeune enfant, sont bac plus 3. Le moniteur éducateur, lui, est bac plus 2. Mais le deal, c'est quoi? Il y a écrit sur le papier bac 0, donc
Nous, notre problème, ce n'est pas le travail social ou la formation des travailleurs sociaux. Notre problème, c'est le taux d'échec en L1 en France. Donc, l'intégralité des écoles qui sont susceptibles de recruter à bac zéro vont recruter à bac zéro pour qu'on vide un petit peu les facs et que tout le monde participe à l'effort de guerre. On l'a entendu, hein, ça c'est la directrice de l'IFSI, de l'Institut de formation de soins infirmiers, qui était de Nantes, qui nous l'a dit, quoi. Donc du coup, ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 98% des gens qui rentrent dans ces écoles-là qui sont soit en bac 0, soit en bac 1, donc effectivement qui sont jeunes. Pour des bac 0, c'est effectivement des gens qui ont noté un peu au hasard sur Parcoursup. Voilà, c'est normal, à 17 ans, c'est pas trop ce qu'on veut faire, quoi, et qui se retrouve au premier stage dans un couloir de neuropédiatrie à Angers avec des gamins en déficience mentale, quoi. Donc, forcément, derrière, donc en fait, on fait n'importe quoi, on n'a aucune cohérence, c'est un tiers d'abandon en IFSI, hein. On n'a aucune cohérence dans ce qu'on est en train de faire, on a fermé complètement la porte aux gens qui sont en reconversion, et derrière on vient se plaindre en disant que nos travailleurs sociaux ils sont trop jeunes, quoi. D'autant plus qu'en plus ceux qui sont vraiment motivés, ben, c'est ce qu'on se disait hier avec l'exemple que je vous ai donné, hein. Ceux qui sont vraiment motivés, ben, soit ils ont eu un frère qui était suivi par un éducateur spécialisé, soit il y a eu des moments difficiles dans leur vie qui a fait qu'ils ont été en lien avec des travailleurs sociaux. C'est comme ça, hein, qu'on connaît le travail social quand on a 17 ans, quoi. Et donc, en plus, on va chercher la merde à l'oral, parce qu'il y a encore un oral pour les instituts régionaux de travail social qui est organisé. Et c'est ce que j'expliquais hier comme exemple, quoi. On vient chercher la merde à des jeunes gens. Bon, là, en l'occurrence, c'était une jeune femme qui avait 21 ans et une petite fille de 4 ans. L'intégralité de son oral a tourné autour de ça. Et donc, on vient exploser les frontières intimes de tous ces jeunes gens. On vient les mettre dans des états de compensation, les faire flirter avec certains traumatismes dans certains cas. Et derrière, on remet en doute aussi leur vocation à base de « est-ce que tu vas vraiment être solide ?» Moi, personnellement, je trouve qu'on fait n'importe quoi au niveau du recrutement de nos travailleurs sociaux, hein. Et c'est j'espère avoir l'occasion dans ce stream un matin d'inviter quelqu'un qui serait en école et qui vous racontera un peu tout ça, quoi. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que ça serait trop long, mais coucou Zippo. Mais puis j'ai passé du temps dessus un peu hier, mais je pense que vous voyez dans quelle direction tout cela va, quoi. Donc c'est vrai que ben oui, ils sont jeunes et ben oui, enfin, bref, ça m'énerve. Dans toutes les organisations, la pénurie se fait sentir, y compris dans les métiers épargnés jusqu'à présent. Le recrutement et la fidélisation des professionnels en poste sont une problématique très prégnante de cette rentrée, confirme le groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux, GEPSO, qui regroupe 700 établissements et services publics sociaux et médico-sociaux. Publics et privés confondus, 50 000 aides à domicile pour les personnes âgées font défaut selon la Fédération du service aux particuliers, FESP. Nous n'avons jamais eu autant de mal à recruter, surtout en ville, où il est plus difficile de vivre avec des bas salaires du secteur, témoigne Frédéric Némon, PDG d'Age et Perspective, une entreprise d'aide à domicile. Dans la plupart de nos 200 agences, une quinzaine de familles sont actuellement sur liste d'attente et on est toujours plus sollicité avec le raccourcissement des séjours à l'hôpital. Du côté des associations des secteurs social, médico-social et sanitaire, 50 000 postes sont à pourvoir. On a 160 salariés et 15 postes vacants. Il est tellement difficile de recruter et de fidéliser qu'on a donné à tous la prime Ségur au lieu de la moitié, bien qu'on n'ait pas encore le financement, explique David Souchet. Les responsables de structure proposent dans la mesure du possible des congés complémentaires, un téléphone de fonction, des titres restaurants, etc. Et ils font des compromis. Nadia Bencheik, chef de service éducatif à SPRM, une association de protection de l'enfance qui intervient en milieu ouvert en Ile-de-France, a récemment recruté 4 professionnels non diplômés. Ils sont très volontaires, motivés, mais il faut les former, ce qui pèse sur l'ensemble de l'équipe. Bon, ben voilà, la situation, elle est compliquée, quoi. Un été sur le fil. Or, cette crise intervient dans un contexte de crise sociale qui démultiplie en parallèle les besoins d'accompagnement. Chef d'un service d'action éducative en milieu ouvert pour l'association Olga Spitzer, Sandrine Mikan se désole que des enfants pour qui le juge a prononcé une mesure doivent parfois attendre des mois avant de recevoir la visite d'un travailleur social dans leur famille. La situation peut s'être dégradée au point de nécessiter un placement. Dans son centre pour personnes en situation de handicap, Isabelle Rago a connu un été sur le fil. Des familles ont décalé leur congé et pris leurs enfants chez elles quand le personnel manquait. Mais on a dû fermer nos lits d'accueil temporaires et renoncer à certaines sorties et animations. Je fais une petite pause dans la lecture de l'article pour vous faire écouter
Alors c'est une conférence qui a été menée par alors lui il s'appelle mince, comment il s'appelle? Ah, Marcel Jaeger, qui est professeur titulaire de la chaire de travail social et d'intervention au Conservatoire national, et qui rappelle dans cet extrait les évolutions du travail social. C'est vieux, hein, ça date d'il y a 7 ans, hein. Mais je trouvais que c'était intéressant que vous entendiez ce qui peut dire des mutations du travail social sur le long terme. Ensuite, je remettrai un tout petit peu en perspective historique, mais ça sera essentiellement l'enjeu d'un long stream que je ferai peut-être mardi autour du travail social, où là, cette fois-ci, je vous ferai une histoire du travail social à partir de Foucault. Alors, juste, on l'écoute 2 minutes, mais pas longtemps, et ensuite, on finit l'article et je passe la parole à Andrea tranquillement. Ah, je sais pas si on en reparlera dans la discussion, hein, mais ça, c'est un point. Donc, incertitude, doute et inquiétude. En même temps, il y a des contextes, il y a un contexte de mutation. Je ne vais pas développer dans le détail, mais j'en ai listé quatre. Et peut-être que je dirai un mot surtout du premier. D'abord, il y a des mutations sociales, sociétales. Pour moi, je veux dire, c'est le problème, c'est un des problèmes majeurs et qui va justifier une nouvelle offre de formation, c'est les interrogations sur les publics. Il y a une interrogation sur les dispositifs, sur la question de l'organisation, avec la question de la prévention, des liens avec la santé, etc. Surtout, ce qu'il va falloir intégrer de plus en plus, c'est la modification du rapport aux personnes. Là, je dirais un mot du rapport du Conseil supérieur du travail social qui s'intitule, en reprenant les propos d'un bénéficiaire ou plutôt d'un allocataire, comme il souhaite le dire, du RSA, du revenu de solidarité active, c'est « merci de ne plus nous appeler usagers ». Donc on verra que derrière cette question-là, il y a véritablement la volonté d'une modification plus radicale dans les relations avec les personnes. Et puis une reconfiguration des métiers et des formations dans le secteur social. Il y a un rapport qui est paru en février, produit à la fois de la commission professionnelle consultative et les états généraux du travail social sur l'architecture des formations, et qui a entraîné ou entraîne une levée de boucliers. Et donc il y a là aussi des transformations tout à fait importantes en cours. Je voulais surtout dire un mot des mutations sociales du point de vue des publics. Bon, on sait qu'il y a des aspects forts. Je ne vais pas les détailler, mais si vous voulez, dans cette liste un peu à la Prévert, ce qui est vraiment qui caractérise la place accordée au travail social, c'est d'abord le constat d'inégalité, hein, donc le phénomène d'exclusion, d'inégalité, qui ne sont pas en soi tout à fait neufs, mais dans une société qui était considérée comme en capacité d'apporter des réponses aux personnes. On va dire, de la même façon qu'on a vu apparaître de nouvelles pathologies, on voit apparaître des formes de pauvreté qui ont fait que le plan pluriannuel qui a été diffusé en 2013, il axe sur la question de la pauvreté. Alors, on pourrait dire qu'en 1975, les priorités n'étaient pas exactement les mêmes. Ceux qui connaissent un peu cette histoire, vous savez qu'en 1975, il y a une loi sur les institutions sociales et psychosociales, mais il y a une loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. On peut dire que finalement, c'est le handicap qui est sur le devant de la scène. Excuse de parler de manière un peu brutale, mais il y a véritablement une implication très forte des associations de parents sur la question du handicap, avec l'idée de faire sortir le handicap du champ médical et paramédical. C'est vraiment le point phare. Vous voyez qu'au début des années 2010, on est sur une autre thématique qui est la question, alors, non seulement du chômage, de la précarité, de la pauvreté. C'est ça le point phare. Et aujourd'hui, on a, avec les modifications démographiques, un autre chantier très important qui est celui de
les risques de perte d'autonomie, la question du vieillissement de la population et notamment ce que j'indique. Et au passage, vous voyez que ça n'a pas grand sens non plus, en fait, parce que je ne sais pas s'il explique là, mais il expliquera à un autre moment, en fait. C'est-à-dire qu'il explique que le travail social est vachement soumis à des plans. C'est-à-dire, pendant 3 ans, il y a de l'argent qui est mis sur tel plan, sur le handicap. Ensuite, sur la précarité. Ensuite, donc, du coup, on a un secteur qui fonctionne un plan après l'autre et qui a du mal à trouver une vraie cohérence dans la durée, d'une part. Et d'autre part, bah, il y a des transversalités, quoi. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 30% des... Plus que ça, même. Il donne le chiffre à un moment des gens sans domicile fixe qui ont des troubles psychiatriques. Et donc, on voit bien qu'à ce niveau-là, on aurait besoin surtout d'un accord, en fait. Il y a un double souci, quoi. Il y aurait à la fois un besoin de transversalité et d'accord entre ces acteurs-là pour qu'ils puissent travailler de façon un peu plus harmonieuse sur ces publics-là, en étant capable de prendre... d'aller à l'intersection des différentes problématiques et de travailler ensemble sur ces différentes problématiques. Et en même temps, d'un autre côté, c'est quand même cool que de temps en temps, on démédicalise un certain nombre de problématiques. Je ne sais pas toi, Andrea, comment tu te situes par rapport à cette problématique-là, parce qu'elle est complexe. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'avais l'impression, quand j'étais au collège, qu'il y avait un certain nombre d'enfants, par exemple, qui pouvaient être en grande fragilité sociale, et pour certains d'entre eux aussi, et que... On avait des réponses qui étaient des diagnostics type hyperactivité qui déclenchaient une médication type rétaline. Je me suis dit, mais il n'y a pas une autre façon d'envisager la problématique qu'avec de la chimie, quoi. Je ne suis pas en train de faire un discours anti-psychiatrie et anti-chimie, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça et tout. J'ai rien à dire sur ça, quoi. Le fait est que... c'est assez complexe, en fait, le lien entre le secteur social et le secteur médical et paramédical, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, de temps en temps, il faut qu'il y ait des transversalités, et de temps en temps, c'est bien qu'il y ait de l'autonomie. En tout cas, pour le secteur social, c'est dramatique de devoir marcher un plan après l'autre et de devoir marcher en totale imperméabilité vis-à-vis d'autres acteurs, quoi. Je sais pas comment tu réagis par rapport à ce que je dis, si t'as l'impression qu'on médicalise beaucoup de problèmes sociaux ou si à l'inverse on construit pas assez les transversales entre les deux secteurs. Je sais pas trop, je pose sur la table, quoi, les choses, quoi. Sur ça, c'est vrai que pour moi, j'ai des lycéens, donc et j'habite une ville très pauvre, et on a des problématiques de l'ordre vraiment, quand il y a comme ça, une aide sociale, ça va être effectivement sur des problèmes d'argent, hein, tout simplement. On a aussi réglé des problèmes comme ça en interne. On savait qu'il y avait des problèmes à la maison, sur pas forcément des violences intrafamiliales, parce que là, c'est une autre dimension. Et là, vraiment, il y a les acteurs sociaux qui rentrent en scène pour que l'enfant soit retiré à sa famille et placé. Mais... nous, on favorisait une place à l'internat, par exemple, pour l'enfant qui n'était pas forcément maltraité. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y avait enquête et tout, mais c'était pas qui puisse étudier, qui puisse être dans un univers plus stable. Donc, on met en place, on a un budget. Nous, on a un petit budget. On incite vraiment à s'en servir. Donc, nous, c'est vraiment, on a des classes populaires extrêmement paupérisées. Nous, on intervient beaucoup là-dessus. Toi, t'es en lycée professionnel, hein, tu vois. C'est que vous avez un internat. On a un internat. Ouais, voilà. C'est cool. On s'occupe beaucoup d'argent, j'ai envie de te dire, là. Nous, c'est pour l'instant. Alors, concernant les TDAH, il y a vraiment eu, à un moment donné, je sais pas, j'ai eu comme cette impression qu'il y a eu un effet nouveauté. Il y a de l'hyperactivité. Donc, les diagnostics, les signalements pour hyperactivité se seraient multipliés, notamment à l'école primaire et certainement au collège aussi. Nous, on arrive en bout de chaîne. J'ai des élèves comme ça qui ont une médication, effectivement. D'autre part, on rentre ça plutôt dans les problématiques de l'inclusivité. Voilà. Et ce qui manque le plus, en fait, c'est la formation des profs. Bon, des aides humaines, bien sûr, ça c'est évident. On ne peut pas compter sur suffisamment d'assistantes, d'AESH ou d'assistants, parce que c'est un métier qui est très féminisé, j'ai l'impression. Bon, enfin bref, remarque au passage. Mais on n'a pas, nous on réclame de l'aide humaine.
Et surtout une formation à ce qu'on peut faire pour aider un adolescent qui a des troubles de l'attention, parce que la médication, effectivement, n'est pas la seule solution. Moi, j'ai un élève médicalisé, mais bon, lui, il est super autonome. Enfin, voilà, on est clair avec ça. Lui aussi, il se connaît, il connaît son. D'autres ne le sont pas, mais il faut absolument se battre contre une partie, des fois, des équipes qui ne comprennent pas déjà que ça existe et qui ne comprennent pas comment ça peut se caractériser et qui ne comprennent pas non plus parfois comment les parents souhaitent venir rencontrer les équipes et surtout intervenir. Enfin, les parents mettent les pieds à l'école et on les incite d'un côté, puis de l'autre, on dit, oh non, non, mais mettez pas trop les pieds à l'école parce que on connaît notre travail quand même. Donc il faut vraiment que cette période de concertation, elle soit efficace, qu'il y ait plus de connaissances de ce que peut être un élève à besoins spécifiques et peut être aussi un élève neuroatypique, tout simplement, parce que voilà, c'est pas évident encore pour tous que même une dyslexie, pourtant c'est connu ça, hein, c'est vraiment les formes de 10, on les a répertoriées, mais c'est encore pas intégré par tous les personnels. Que ça existe vraiment ou que ça se manifeste tel qu'on le dit. Donc, en fait, plus d'interventions de spécialistes seraient bienvenues et plus de formations seraient bienvenues. Voilà, c'est parce qu'il y a eu cette vague de « Allez, ça existe !» Donc, maintenant, on a des PAP, des PAI, c'est des plans de... En fait, les PAP, les PAI, ça permet après de faire des rapports GEVASCO. Donc, tout ça, c'est du jargon, excusez-moi ce matin, mais... Ça permet en fait de dresser les besoins spécifiques d'un élève, que ce soit pour des raisons médicales ou autres, et y compris en situation de handicap, hein, ça peut ressortir de la MDPH. Mais et ça, il y a eu vraiment pléthore de rapports. Voilà, on s'est dit ça y est, c'est bon, il y a des rapports maintenant, il y a des grilles, il y a des réunions, et ça y est. Mais en fait, on se rend compte sur le terrain que c'est pas parce qu'il y a un cadre. Voilà, qui dit les choses et qui préconise des trucs, que les problèmes sont réglés et que l'enseignement va être plus efficace et plus safe, j'ai envie de dire, pour... Après, il y a un moment, il y a aussi, tu vois, de Mishkill, tu dis, Ouais. on demande une médicalisation et donc on se tourne vers la psychiatrie. Très compliqué de prendre en compte un enfant dans la globalité de sa vie. Normalement, c'est le boulot de Ben la oui. MDPH, hein. C'est-à-dire que le Ouais, boulot c'est de la toujours difficile. MDPH, c'est de faire de la coordination pour permettre à Alors... différents acteurs d'accompagner un enfant. Et quand il y a possibilité d'individualiser, ça peut être plutôt bien fait, hein. Moi, j'ai eu le cas d'un élève qui était déscolarisé depuis longtemps, qui était accompagné par la MDPH. Il y avait une éducatrice spécialisée qui faisait le lien entre les différents acteurs, depuis le club de foot jusqu'à l'école, en passant par le pédiatre et tout, etc. Et honnêtement, quand on arrive à individualiser et à mettre en réseau les différents professionnels qui peuvent graviter autour de l'enfant, il y a moyen d'avoir des résultats. Le problème, c'est la thune, quoi. C'est-à-dire qu'on le fait pas ou on le fait mal. Donc oui, il y a un vrai problème de moyens aussi au niveau du travail social, quoi. Il Voilà. y a un problème de moyens énorme. Moi, la MDPH, même, clairement, je ne sais pas ce qui se passe, mais par exemple, un gamin qui change de région, son dossier, il ne suit pas. Il faut tout repartir de zéro, par région académique. Mais alors, imagine quelqu'un qui arrive des Outre-mer sur l'Hexagone, c'est pire. Ça peut prendre des plombes. Moi, j'ai un élève qui s'est trouvé dans cette situation. Un an sans aide humaine, MDPH, parce que le dossier, il fallait le repartir de zéro. Parce que déjà, en plus, sur fond de pénurie de médecins, il faut savoir que pour la MDPH, c'est le volet médical qui va compter le plus. Donc là, s'il n'y a pas un médecin scolaire ou s'il n'y a pas un médecin familial qui s'occupe de clairement établir le dossier, parce que ça, c'est fondamental, eh ben, le dossier, il traîne ou il n'est pas instruit, quoi. Et donc, on a des situations où les gamins se retrouvent livrés un peu à eux-mêmes avec les équipes qui font ce qu'elles peuvent autour. Et donc, quand les équipes sont open au niveau... Voilà, connaissance de la problématique, ce qu'appelait Blanquer, et c'est vrai que là-dessus, bon, la bienveillance, mais elle était là aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi je suis, vous savez, vous me connaissez, ceux qui nous suivent, hein, Blanquer, c'était pas ma tasse de thé, mais sur son côté tacle à l'égard de l'application de notre bienveillance, ah, il y a quand même des choses à dire. Moi, j'ai ce que dit Hippolyte là dans le chat, je l'ai entendu aussi. Mais la dyslexie, ça n'existe pas. Un bon coup de pied dans le cul, ce coup. Oui, mais l'autisme, c'est à la mode maintenant. Ça, c'est clair, c'est réel.
c'est réel. Dans la réalité du terrain, on a encore des discours comme ça, quoi, qui viennent de tous les côtés. Donc, ouais, c'est vrai que voilà, ça, la lenteur administrative, le manque de personnel, le manque de moyens et ces réactances ou ces méconnaissances, ce manque de formation aussi, ça fait qu'on a des élèves en souffrance, on a des parents en souffrance et on a, mine de rien, aussi des profs en souffrance par rapport à ça. Parce que, voilà. Après, qu'ils veulent aussi... bien faire ou pas, c'est, j'ai envie de vous dire, ils sont de toute façon dans le même cas de figure où on aura à gérer l'ingérable. Après, il y a aussi un truc qui est important à prendre en compte et qu'on sent percé dans ce que tu dis là, pour prendre la catégorie de Bourdieu, c'est l'hétéronomie du champ du travail social. Je vais vous donner un exemple tout simple, quoi. C'est toujours sur l'intervention en espace public, par exemple. Ben, vous avez une réunion de veille à la mairie. Cette réunion de veille à la mairie, sur tel quartier, il y a des acteurs associatifs, il y a des membres de la PMI, donc de l'ASE, il y a un peu tout le monde autour de la table, tous les mardis, par exemple, à Malakoff, dans un quartier populaire de Nantes. Et en fait, on se rend compte assez vite que qui est-ce qui s'occupe de ces réunions-là, qui est-ce qui les administre, c'est les chargés de mission de la Direction Générale de la Sécurité et Tranquillité Publique de Nantes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui ont un certain agenda. Ça veut dire que, par exemple, vous avez un Intermarché tenu par un franchisé qui ferme parce que le contrat n'a pas été rempli par le franchisé vis-à-vis de, etc. Et donc, la problématique, c'est il y a un espace de parking non surveillé, donc il va y avoir du trafic de drogue, donc il faut occuper l'espace. Et donc, on demande à la dame de Nantes Solidaire d'aller installer son van à cet endroit-là pour occuper l'espace. On demande aux éducateurs spécialisés d'aller organiser une animation pour occuper cet espace-là. Cet exemple, il peut paraître banal, mais il dit juste aussi qu'il y a des agendas politiques qui ne sont pas forcément liés aux questions sociales, qui instrumentalisent et qui avancent par le truchement de certains trucs. Et ça, bon là j'ai donné un exemple, tranquillité publique, travail social, mais il faudrait voir comment ça donne dans les autres secteurs, quoi. Et c'est important de voir que... voilà quoi. Quel est l'agenda politique lié au travail social et qu'est-ce qui est important pour les. Et donc du coup, par exemple, l'invisibilisation, quand ça se voit pas trop, que les gens ils sont en déshérence, qu'ils vont pas bien, que etc. Tant que ça se voit pas trop et que c'est pas une menace pour la tranquillité publique, on en a rien à foutre des gens. Hein. On commence à s'intéresser à ça quand il y a des conflits de voisinage, qu'il y a du bruit qui est fait à côté, qu'il y a des odeurs, etc. Hein. Si le gars il accumule des poubelles chez lui et que etc. Tout le monde s'en fout de ce gars-là. Il y a aussi un côté. À partir de quel moment est-ce que le secteur du travail social est saisi, quoi. Et l'autre part, c'est est-ce que c'est vraiment des préoccupations au service des gens qui sont prises, ou alors est-ce que c'est d'autres préoccupations type tranquillité publique, etc. Je pense qu'il y a tout ça. Hein. Ou alors les sortir du chiffre du chômage, qu'ils ne soient pas demandeurs d'emploi en fin de mois. Quels sont, et très souvent, on se rendrait compte que les agendas politiques qui s'appuient sur le travail social pour avancer, ben, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la recherche du bien-être des gens, quoi. C'est juste un truc que je pose sur la table, hein, mais je pense que c'était important aussi de le rappeler, quoi. Voilà, bon. Ouais. Puis ce que dit Don Gilles dans le chat, on considère que le social est une dépense inutile, ouais, car pas de rentabilité. Bien sûr, mais ça va nous... Ça pose déjà bien des soucis. Ça ne va faire que s'aggraver. Je pense que là, c'est une volonté politique, tout à fait. C'est une volonté politique et après, bon, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur la responsabilité individuelle des gens pour aller se former aussi aux problématiques sociales. Mais du coup, tout en sabrant dans les postes, dans les aides, dans les... Donc en fait, en gros, moi, je sais pas, mais je fais partie de ces profs à qui on demande d'être un peu toutologue, quoi. Voilà. Je veux bien, j'ai jamais renié, par exemple, je sais pas toi, Philou, mais le côté éducateur de notre métier, le côté éducatif, non, aussi. Bien sûr. Nous prodiguons de l'instruction, du savoir, des connaissances, des savoir-faire, mais nous sommes, c'est vrai, il y a un volet éducatif. Le problème étant que ce volet éducatif, s'il prend le dessus, s'il bouffe tout, bien sûr, ça va... Voilà, ce déséquilibre n'est pas souhaitable forcément non plus. Hein. Donc, le problème étant que là, ben, c'est en train de se produire. Nous, en tout cas, au lycée pro, c'est compliqué.
Non, c'est clair, quoi. Je pense que c'est compliqué aussi pour les autres. Après, C'est tu as aussi un le truc, noyer par dans la exemple. masse. Ça se voit statistiquement, si tu veux. Voilà. Ça se voit à l'œil nu qu'on a des problématiques sociales à gérer. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est compliqué de pas être réac, tu vois, et de se dire, de se faire bouffer par ça, Here is finalement. the story Parce of a que Andrea, Texas il y a Chainsaw le, Massacre in the bushland. 50% de mon métier là en ce moment. Il y a le raid de Jachou, on va plus t'entendre. Il y a Alors super. la niche. Attends, alors là, là, là. Ouais, salut Jashugan. Salut Avant que tu Jashugan. sois là. Vas-y, vas-y, reprends. Désolé de t'avoir coupé. Non, mais voilà. Et sans parler du pourcentage du volet administratif ubuesque dont parle Zipolette Visca. Mais oui, bien sûr. On est sur le cœur de métier, on est en train de le perdre. Moi, c'est pas. Bon, après, voilà. Je ne suis pas rentrée au lycée pro pour faire de l'instruction à 100%. Je vous le dis tout net. Mais ce n'est pas non plus, effectivement, une bonne chose que de trop déséquilibrer le truc si on ne peut pas compter sur des partenaires. Qui sont là pour vraiment aussi, et j'ai envie de dire, redresser la barre parfois parce qu'on a nous aussi des tendances à soit à faire l'aveugle, soit à faire. Et ça, c'est pas, je juge pas les gens qui mettent des fois des trucs sous le tapis trop sévèrement parce que bon, enfin, c'est trop dur à gérer pour eux, mais soit carrément à réagir de façon à réinstitutionnaliser l'école et du coup à exclure. Cette tendance lourde qu'il y a en ce moment qu'on voit là, non, non, mais il faut réinstitutionnaliser. Il y a des élèves, ils n'ont rien à faire chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Cette vibe là, non, non, mais non, mais c'est pas grave, Chachou. C'est toujours un plaisir, ton raid, t'inquiète pas. Et donc voilà, c'est ce côté. Bon, bah écoutez, l'école, c'est quand même pour des savoirs, des savoir-faire, de l'instruction. Après tout le reste, ça relève d'autres instances, d'autres institutions. Bon, cette tendance, elle est là. Et c'est bien dommage parce que sur les pratiques, en fait, manque de. Juste de. C'est con à dire, hein, désolé, hein, mais il y a encore une question de personnel et de moyens, et surtout de formation à ça. L'école telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle fait souffrir. Elle fait souffrir. Donc il faut de toute façon, je pense, se pencher sur ce truc-là rapidement. Parce qu'elle fait souffrir même ceux qui ne sont pas forcément neuroatypiques ou à besoins particuliers et spécifiques. Elle fait souffrir. Donc, Mais après, personnellement. tu vois, il y a aussi, par exemple, il y a des fausses priorités données par l'État. Par exemple, nous, à la mairie, on n'arrête pas de parler, enfin, moi, dans les réunions que nous, associatifs, on a avec la mairie, on n'arrête pas de nous parler de l'accès aux droits. En nous disant, et donc le gars dont il y a la conférence, mais je streamerai longtemps sur sa conférence parce qu'elle est intéressante, il dit, il y a du côté, je crois, de l'aide individualisée au handicap, on est autour de 60% de non-demande. Des gens qui auraient le droit. Au niveau du RSA, c'est un peu pareil et tout, etc. Il y a 20% en moyenne de non-demande sur le truc. En même temps, l'État n'a pas forcément envie et plutôt bien content de faire des économies sur le fait qu'on ne demande pas ces aides-là, quoi. Bon, donc du coup, j'émets aussi l'hypothèse que c'est aussi des fausses priorités qui sont posées sur la table et que l'État se satisfait plutôt bien que les gens ne réclament pas ce à quoi ils auraient le droit. Ça leur fait un effet d'annonce et en plus, du coup, ça leur fait des économies. Donc, à voir aussi sur ces questions de plan, de priorité, de numéro vert ouvert, etc., dans quelle mesure il y a de l'hypocrisie, quoi. Et Voilà, de c'est. cabinet conseil et de Ouais. trucs et de machins et de bidules et de commissions nani nana. C'est vrai que quand tu vas sur la page d'un rectorat, sur le site d'un rectorat, tu as des solutions à tout. On dirait que tout est géré, tu vois. Et quand tu es sur le terrain, tu te rends compte qu'il y a réellement peu de gestion. Même, on parle des travailleurs sociaux, on a quand même relativement, enfin, je sais pas vous, là, ceux qui sont parmi. Vous, des collègues, hein, entre guillemets, mais les rapports avec les travailleurs sociaux, ils sont assez laconiques, hein, c'est vraiment. Bah ouais, bah oui, voilà. Il bah, y a assez peu de toute façon, il y a beaucoup de transversalité, mais peu d'échanges et de rencontres, tu vois, Peu si je voulais d'échanges de dire. rencontres. On a aussi, nous, l'année dernière, on a reçu, mais là, c'est sous couvert du chef d'établissement qui prend des décisions, aussi, hein, lui ou elle, hein, on a reçu. Justement, on a fait une grosse réunion
inclusivité. Voilà, l'école inclusive, ça s'appelait. Donc on était là, oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Et puis, est-ce que ça va être... Et puis non, il y avait un pédopsychiatre et un éducateur spécialisé. Ça a été un des meilleurs moments de l'année pour moi, alors que j'étais méfiante aussi sur le topo, parce que, bien entendu, quand on a, je vous dis, hein, une communication officielle de ce qu'est l'école inclusive à la Blanquer, bon, bah, on se dit, ah, qu'est-ce qui va se passer encore? Et là, on a eu des acteurs de terrain, on a eu des spécialistes, on a eu des échanges extrêmement concrets sur des problématiques traversées par nos élèves et nous-mêmes dans le cadre de classe. Et c'est ce genre de moment qu'il fallait multiplier, quoi. C'est vraiment ce genre de moment qu'il faut multiplier. Donc, c'est vrai. Parce que la plupart des gens, en plus, ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un 10, ce qu'il voit au tableau, ce qu'il ne voit pas, comment il peut lire, comment il ne peut pas lire, comment il ne peut pas écrire ou comment il peut écrire, comment est-ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas. La fatigue aussi de l'autisme, du dyslexique, celui qui est en trouble de l'attention. En fait, au niveau... personne ne sait vraiment complètement, j'ai l'impression, dans les personnels, ce que ça implique, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres, mais il y a quand même, mince, une formation à avoir sur ce sont réellement ces problématiques-là. Et ça, ça manque. Et ce n'est pas... On dirait que là, on dit, bon, mais ça appartient aux travailleurs sociaux, ça appartient au secteur médical. Nous, ce qu'on veut, c'est des élèves qui soient à la classe et qui ne bougent pas, quoi, en fait, en gros, quoi. Qui avancent, quoi. Et comment on fait pour les faire avancer? Donc souvent, c'est le dialogue de sourds qui s'instaure le plus facilement, quoi. C'est, oui, mais comment je fais, moi, avec 30 élèves, il faut bien que je m'occupe des autres. Et oui, et puis d'abord, c'est quoi cette AESH? Elle ne fait rien? Elle est en période d'observation ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle l'aide pas à écrire, nani, nana. Oui, bon, ben, s'il te plaît, quoi. C'est vraiment, on a en fait une période assez monstrueuse où là, il faut à chaque moment déployer de l'énergie sans s'énerver pour que tous les acteurs en présence cohabitent déjà et apprennent à gérer le truc. Parce que l'entrée des OESH dans la classe, c'est une intrusion parfois pour certains profs. Il y a un élément extérieur qui vient. Et ça a été même ça compliqué. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y avait pareil avec les AVS pendant un moment, quoi. Les AVS aussi, c'était ça, ouais. Et voilà. C'est auxiliaire de vie scolaire. Et AESH, oui, ça veut dire assistant d'éducation, truc handicap. Ouais. Pour les gens du... Voilà. Après, c'est pareil ce que vous disiez, ce que dit Fanny sur on n'est pas... Regardez, par exemple, les psychiatres savent bien ça. Quand il y a un traumatisme, donc je sais pas, Karen Sadlier, on parle très bien sur des enfants qui sont dans un milieu dans lequel il y a de la violence conjugale. Et elle explique que les traumatismes, il n'y a pas une origine traumatique, mais que c'est perlé, mais qu'il y a une forme de traumatisme. Et les symptômes qui s'expriment, ils peuvent être multiples. Ça veut dire que soit l'enfant devient hyperactif, soit il devient complètement introverti, soit il passe son temps à rire et à dissiper, soit à l'inverse, il a l'air d'être concentré. Et donc, en fait, pour les mêmes causes originelles, vous pouvez avoir des symptômes très, très différents. Donc, c'est vrai que si vous n'êtes pas un peu... Vous pouvez passer complètement à côté de certaines réalités qui sont au carrefour, en fait, du médical et du social, quoi. Coucou, ultra clipassionnatateur. Donc, c'est vrai que... On est dans une situation très, très difficile, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est que la conférence de ce monsieur-là sur le travail social, où il reprend les différents cas de changement, de toute façon, je peux un peu vous les faire, hein. C'est-à-dire qu'il y a la transformation d'un certain nombre de problématiques, une transformation de la nature de l'action sociale et une multiplication des interventions avec des difficultés de transversalité ou d'échange, et des publics qui sont l'intersectionnalité pour de bon, hein, des publics qui présentent plusieurs problématiques différentes qui ne peuvent pas être pris en compte ensemble et des agendas politiques qui avancent indépendamment du travail social et surtout des gens, quoi. Donc ça, c'est ce qu'il va expliquer lui dans sa conférence. Je voulais vous faire écouter aussi un petit peu Foucault qui lui explique qu'au moment où que ce qu'on appelait la police à partir du 15e siècle, au moment où la ville devient une ville marché, où il y a des échanges, etc., en fait il s'appuie sur un texte qui s'appelle d'un Allemand qui s'appelle Turk de Meissen,
Westminster qui explique que qui définit la police à partir de la question de s'occuper des grains, d'une mission d'éducation et d'une mission de gestion des frictions et d'une mission d'hygiène. Et donc en fait, ce que Foucault explique, c'est que l'État se met en place. L'administration se met en place sur, non pas sur le régime de la loi, mais sur le régime des règlements et des ordonnances, et que il y a une espèce de règlement intérieur de la ville en fait qui va passer par tout ça, et que il va y avoir ensuite autonomisation de ces différentes formes là quoi, la police telle que cette fois-ci on l'entend dans notre sens aujourd'hui, et dont la logique c'est, et dont le lien avec l'agenda politique, je trouve, c'est parfaitement exprimé avec ce que j'essayais d'expliquer la dernière fois sur les changements sur les menaces qui pèsent sur la police judiciaire et sur le fait qu'on va demander à la police judiciaire qui s'occupait de grand banditisme de passer sur une échelle territoriale en gros, globalement, d'aller faire de plus en plus de petites délinquances, parce que dans l'agenda politique, c'est ça qui compte et c'est ça que rapporte CNews, quoi. Et donc, on voit bien, en fait, dans ce que je dis là, que l'administration s'est développée en France de deux façons. D'une part, dans un certain rapport avec des villes qui grandissaient, et d'autre part, il faut le dire aussi, par une captation progressive des prérogatives de l'Église. C'est l'Église qui tenait les lycées, les orphelinats, les hospices, les asiles, etc. Et c'est toute cette fight du 19e entre les républicains et l'Église qui va aboutir à l'originalité de la construction de l'État social français, à mi-chemin entre une administration qui s'étend avec plusieurs missions qui s'autonomisent difficilement et qui, pour certaines, sont soumises à des agendas politiques, et d'autre part, une confiscation des prérogatives de l'Église et donc un modèle de charité sociale qui va évoluer vers un modèle d'assistance publique puis d'aide sociale. C'est au carrefour de ces différentes dynamiques-là qu'on trouve le travail social aujourd'hui. Et on lira ensemble les textes du Conseil national de la Résistance qui vont inspirer le préambule de la Constitution de la 4e République, qui est toujours au préambule de la Constitution de la 5e République et qui annonce des droits de seconde génération, droit aux loisirs, droit au logement, droit à la santé, etc. etc. Donc je tease un petit peu pour conclure sur le stream d'aujourd'hui, sur ce que je pourrais dire la prochaine fois, sur en quoi en fait il y a une particularité du travail social en France par rapport à l'Italie ou l'Allemagne, par exemple. Donc voilà, donc ça c'était des directions vers lesquelles je vais aller. Je vous lis juste la fin de l'article et ensuite je passe la parole à Andrea. Et donc je reviendrai sur tout ça, j'imagine sans doute mardi ou un truc comme ça, quoi. J'ai la fin de l'article et puis ensuite... j'ai la petite surprise pour Andrea et ensuite elle pourra attaquer. Il faudrait être indulgent parce que c'est la version roots, hein, on va dire. Allez, je finis le récit, l'article d'il y a deux jours sur la grève et ensuite on glisse dans autre chose. Pour Karim Zarkout, travailleur social dans un centre d'accueil à Lyon, il y a de plus en plus de gens à la rue et dans l'hébergement, y compris des réfugiés au vécu traumatique. On peut de moins en moins les faire soigner, les héberger, les loger. Une famille avec un enfant de 18 mois a passé deux semaines à la rue, il nous arrive d'être maltraitant. Putain, c'est une phrase terrible ça, il nous arrive d'être maltraitant. Les professionnels espèrent non seulement des revalorisations salariales, mais aussi un changement de regard sur leur métier méconnu parfois, considéré comme de l'assistanat, ainsi qu'un changement de méthode. On nous demande de plus en plus de reporting, de justifier chaque prolongation d'hébergement d'urgence. Ouais, ils écrivent de plus en plus de papiers en plus, tout ça. Constate Sandrine Fontaine à la tête de l'association Accueil, Soutien et Lutte contre les Détresses 41 dans le Loir-et-Cher. Pour que nos métiers gardent leur sens, il faut de la confiance et des marges de manœuvre comme lors de la pandémie. La situation appelle des mesures fortes, alerte Daniel Goldberg, président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux, UNIOPS. On a désormais des travailleurs pauvres pour s'occuper des personnes pauvres, des structures fragilisées par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières sans compensation d'État et des collectivités dont elles mènent pourtant les politiques. L'inquiétude est partagée par les départements en première ligne des politiques de solidarité. Comment ferons-nous demain si ceux qui atténuent les vulnérabilités et les risques de rupture ne sont plus là ? Interroge Marie-Louise Kunz, vice-président du département de la Moselle.
Donc voilà, j'ai envie de dire pour ce matin, effectivement, il y aurait des milliards d'autres choses à dire. J'essaierai de vous faire un stream du mardi matin autour de cette problématique-là, en lui donnant cette fois-ci une dimension un peu plus, en reprenant l'épistémologie foucauldienne, quoi. Mais bah voilà, je pense qu'on a dit un certain nombre de choses. Je finis juste de vous lire et puis on va glisser ailleurs, quoi. C'est là qu'il faut réussir à mettre de la distance entre sa pratique et les orientations politiques qui en sont les causes. Ouais. Après, c'est difficile, hein, vous dites, c'est difficile pour un travailleur social quand même de se rebeller ou d'être. C'est compliqué, hein. Un travailleur social, c'est un soldat. Hein. Alors le truc, c'est qu'en plus, on est en train de leur demander d'être des prêtres, quoi. Et donc là, il y a une espèce de retour, une espèce de religiosité dans la vocation qui correspond exactement aux mutations du néolibéralisme et à la façon dont on essaie d'aller capter de l'intimité. Ça, c'est un truc qui serait intéressant. Industrialisation d'un côté, de l'autre côté, captation de l'intimité et impossibilité pour un travailleur social d'éprouver son métier comme métier, quoi, et de pouvoir s'en détacher. Donc voilà, il y a un vrai ensemble de problématiques en ce moment, c'est compliqué. Au moins, ils reconnaissent qu'il leur arrive d'être maltraitant. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben ouais. Ben, en plus, là, on a bien compris que c'était une litote, hein, cette phrase-là, quoi. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous proposer ce matin autour du travail social, de l'inquiétude des travailleurs sociaux et d'une certaine voilà de leur rapport avec le travail. On va passer maintenant au deuxième dossier. Ah si, un truc que j'ai pas développé qui est important aussi. Ça, c'est très important. Vous savez qu'une assistante sociale, elle est définie par fonction. Il y a une assistante sociale dans des casernes, de pompiers, à l'école, à l'hôpital, etc., dans des CCAS, au département, etc. Et Raffarin, au moment de la décentralisation, avait voulu les territorialiser. C'est-à-dire leur dire, bah, tu vas à Nantes-Nord, il y a une prison, une crèche, une caserne de pompiers, deux écoles, et donc t'es l'assistante sociale d'un territoire et plus d'une. Et les assistantes sociales veulent pas ça, parce que les papiers, c'est pas les mêmes, et qu'être assistante sociale dans une caserne de pompiers, ça n'a rien à voir avec être assistante sociale au CCAS ou autre. Donc certes, on voit la logique en disant bah, le gardien de prison qui a des soucis, il a un enfant qui va à la crèche, et donc du coup, c'est bien d'avoir toute la chaîne, mais pour les assistantes sociales, c'est absolument impossible à gérer. Donc on voit qu'il y a en ce moment des logiques de territorialisation qui sont aussi des logiques d'économie et qui pourraient se faire aussi au mépris des métiers. Donc n'oublions pas aussi de temps en temps de prendre en compte leurs paroles, leur rapport avec leur métier et la façon dont ils ont envie de le vivre, quoi, parce qu'on leur laisse assez peu la parole quand même. Voilà, bon, ce sera ma conclusion pour ce dossier-là qui a traîné, mais qui a traîné aussi parce que je ne l'aurais pas laissé traîner comme ça si Andrea n'avait pas partagé avec vous là, ses expériences. Donc ça c'est cool, on vous a fait une première session. On passe maintenant à la deuxième session, on passe à la session panique morale. Et Je le savais. donc, non, ça sera, en plus, ce n'est pas seulement panique morale que tu vas faire aujourd'hui, mais c'est Non, ouais, l'occasion de je vous fais un petit peu proposer mon de nouveau tout. générique. Mon nouveau générique. Ah, Donc, trop bien. générique que moi je vais pas entendre, je vais être frustré parce que moi j'ai plus accès à ça. Alors, Donc, c'est parti, générique panique morale, deuxième partie. Un vent mauvais traverse l'Atlantique en ce moment, celui de l'idéologie woke, le wokisme. Est-ce qu'il représente pour vous un nouveau visage de ce qu'on pourrait appeler la tentation totalitaire? Est-ce qu'il vous inquiète sous le signe d'un totalitarisme nouveau? Elle est de limiter le champ des possibles. On veut nous faire honte de voyager en avion ou de manger de la viande ou de se déplacer. Voilà, si vous voulez. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur d'abord. De le quoi j'ai mâle peur? Blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans que vous êtes, de quoi a-t-il peur? C'est moi. Pour dire que vous allez faire de ce combat contre ce nouvel obscurantisme l'élément au centre de votre politique. Pourquoi présentez-vous le wokisme comme un nouvel obscurantisme? Parce qu'il l'est. D'accord. Vont en fait s'appuyer sur des affaires qui sont généralement, paraissent généralement absurdes. Peuvent être en tout cas présentés comme tels, dans lesquels il va y avoir la possibilité de créer un méchant stéréotypé. Ça va être le lobby LGBT qui veut embrigader les enfants, ça va être les antiracistes séparatistes ou les néo-féministes extrémistes qui haïssent les hommes, etc., dont on va parler comme étant le méchant du jour. Hein, les gens qui passent ne comprenaient pas mes envies sales, je me suis senti mal, ils ont froissé mes sentiments,
Je me suis enfermé dans une salle en disant je suis brisé, je vous en supplie, laissez-moi respirer. Alors. Bon, voilà, voilà. Donc, non, c'est moi. Je l'ai monté ce matin et tout. Ouais, j'ai fait tout seul. Mais c'est la version roots. Hein, je vais en faire un court et un long. Et puis, il faut que je gère tous les sons parce que je l'ai fait à l'arrache ce matin avant de commencer, quoi. Voilà. Donc, c'est générique panique morale. Il fallait que je le fasse pour Andrea depuis longtemps, quoi. Coucou, Wizdevi. Coucou. Bah, écoute, t'arrives pour la deuxième partie. Je vais te laisser installer tranquillement. Ton dossier, en sachant que je suis à Walp là sur les. J'ai pas ouvert les onglets, donc je vais le faire tranquillement au fur et à mesure que tu vas me dire. Voilà. Ah, attends, on t'entendait pas, je t'avais coupé, vas-y, refais. Ah, pardon, bah, du coup, vu que. Bah, on peut commencer par la panique en fait, vu que là, il y a le générique de l'année, quoi, tu vois. Il y a la panique de Noël, les enfants. Donc là, si tu veux, Philippe... Alors allons-y, dis-moi tout ça. Je t'ai mis ça, il y a un tweet là. Il y a un tweet de droitard. Alors j'y vais, je vais du côté des tweets et je vais les lancer les unes après les autres. Et puis après on parlera de ce qui s'est passé. J'ai même pas fait l'annonce ce matin. Alors attends, c'est parti. Le dernier que tu me donnes au marché de Noël, c'est ça? Oui, il y a une panique au marché Noël de Strasbourg. D'accord. Strasbourg, le pays de Noël est en danger. Alors, je regarde à quoi ça ressemble. Oh, bah, c'est bon, le truc est bien calibré, quoi. Bon, attendez, deux secondes. T'as raison, Vincent, on devrait trop faire ça, quoi. Alors, vas-y, dis-moi, je le descends, il y a une petite vidéo, c'est ça? Non? Alors, vas-y, raconte-nous. Même pas. Attends, je regarde un peu ce que t'as. Ah, ouais, oui, voilà. La liste des produits interdits et autorisés. Ok. Alors, du coup, c'est la catastrophe. C'est la fin de la civilisation chrétienne. Il y aura des loukoums sur le marché de Noël de Strasbourg, alors que la vente de crucifix est sous réserve. Merde. Jérôme Pierre, député européen Reconquête, nous en informe le 11 octobre et il interpelle à cet effet la maire de Strasbourg en lui disant « Au marché de Noël de Strasbourg, crucifix et calendrier de l'Avent interdit à la vente, mais loukoum bienvenue, c'est une farce !» Jeanne Barzec, bientôt Noël interdit. Voilà, donc là on est, je pouvais pas passer à côté de ça, quoi. Je veux dire, voilà, c'est, vous savez à quel point j'aime les paniques morales de Noël. Si vous ne le savez pas, il faut, c'est la faute d'Alex, hein, c'est la faute d'Alex Maudo, qui est au générique de façon, mais vraiment, mais alors légitime, parce que tout ça vient de lui en fait. Moi, ouais, c'est lui, car en le suivant pendant des mois, qui m'a vraiment initié à cette détection des paniques. Donc celle-là, elle revient tous les ans en fait. Enfin, ça fait plusieurs années qu'à Noël, là, il faut sauver le soldat Noël en fait. Voilà. Il faut sauver le soldat Noël. Et donc, souvent, ça se passe autour des crèches. Et là, c'est le marché de Noël. Bon, Strasbourg, en Hexagone, c'est vraiment le marché de Noël, d'ailleurs. C'est vrai qu'il est beau, ce marché de Noël. Il est connu. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ces marchés-là? C'est que la plupart du temps, ils sont tous un petit peu... comment dire, proposer de vendre de la camette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des marchés de Noël par chez vous, tous et toutes, mais on a de la camelote, quoi. C'est un marché, ça devient très très mercantile. Alors c'est un savant mélange de spécialités culinaires et d'objets artisanaux, mais aussi de trucs un peu inutiles. Bon, voilà, c'est tout ça dans des cabanons en bois avec du vin chaud et des marrons et tout ça. Bon, voilà, c'est vraiment un bail qui est connu depuis plusieurs années. Et là, ça a tellement réagi sur les réseaux sociaux, cette histoire de marché de Noël à Strasbourg qui met la mairie informe les futurs participants au marché qu'il y a des produits qui seraient pas forcément autorisés à la vente. Ça a fait tellement parler sur les réseaux que 20 minutes, le journal 20 minutes en a carrément fait un titre, en fait. Un stand pour prendre des loukoums en forme de croix et des macroutes en forme de Vierge Marie. Franchement, fais ça. Là, ça va être... ouais. Donc là, bah, écoutez, sur l'article de 20 minutes... Voilà, sur l'article de 20 minutes qui a relayé un peu toute cette panique, hein, il est question de justement de retour à l'authenticité. C'est pour ça qu'il y aurait des produits qui seraient
un petit peu mis sous réserve. Donc, il y a l'adjoint à la maire de Strasbourg qui parle de ça dans le journal 20 minutes et qui dit que bon, il regrette bien sûr une tentative d'emballement médiatique et il temporise en disant, je cite, « Il y a une commission ultra mixte qui travaille collégialement à présent à l'année, composée d'élus, de forains, de commerçants, de la chambre de commerce et d'industrie, d'artisans, de représentants des exposants, donc ça fait du monde. Hein. Et le travail de cette commission, dit-il, porte sur cette notion d'authenticité qui est la notion phare de l'opération capitale de Noël, parce que Strasbourg est la capitale de Noël, il faut préciser. Et cette commission a dressé la liste des produits, donc autorisés ou pas, en conséquence. Cette authenticité passe, dit-il, par des produits de qualité. On ne veut plus du côté parc d'attractions, supermarché pour touristes à ciel ouvert, comme cela était reproché ces dernières années. C'est un travail qui était déjà en cours et on ne fait que rajouter un chapitre. Et donc là, l'article continue de préciser que, en clair, tout ce qui est sous réserve, la vente est autorisée, mais des membres de la commission iront à la rencontre de commerçants pour discuter de leurs produits. On ne veut pas, par exemple, de boules de Noël à 2 euros de mauvaise qualité. Strasbourg est mal orthographié et qui casse avec le gel. Voilà, ça m'a fumé, quoi. On veut de beaux produits pour que l'événement soit bien perçu. C'est une question de standing. Un artisan qui fait une belle crèche, oui. De beaux crucifix de qualité. Des souvenirs en lien avec l'identité première de Noël qui est effectivement la chrétienté, oui. Mais les santons, les croix faites par milliers d'exemplaires et livrées par containers depuis la Chine, non. Assume donc Guillaume, comment s'appelle-t-il ? J'espère ne pas écorcher son nom, Leipzig. Il rajoute, tout comme les serre-têtes et les parapluies qui clignotent, toutes ces choses vendues à la sauvette et qui ramènent à cette notion de supermarché à ciel ouvert. Donc, authenticité et qualité devraient donc donner là pour ce Noël strasbourgeois. Donc voilà, donc en gros, de cette panique morale, on est allé quand même sur un problème de fond qui, moi aussi, me laissait quand même un peu songeuse. Par rapport à cette... je ne sais pas ce que vous en pensez, là, de cette exigence d'authenticité autour de la... du marché, qui est, oui, effectivement, une... Il le rappelle, hein, une identité chrétienne. Voilà. Donc là, je ne sais pas si ça arrivait, les croix faites par milliers d'exemplaires et livrées par containers depuis la Chine. Moi, j'ai des doutes, quand même, je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? On a un petit nationalisme de derrière les fagots au niveau de la fabrication des croix. Bon, après, voilà, c'est... Il le présente comme ça, quoi. C'est vraiment des croix françaises, oui, mais pas des croix chinoises. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, la panique de la semaine qui m'a sauté aux yeux, c'était celle-là. Je l'ai trouvée bien croquignole, en fait. Parce que, voilà, elle était... elles sont toutes rassos à un moment ou à un autre. Ouais, d'une tentative de « Ah, il y a des loukoums, c'est un marché musulman ouais. ». On est passé à « Ouais, mais les croix chinoises, c'est moyen ». Ouais, ouais, puis Barbara, elle a raison, la panique Goldorak, la panique jeux vidéo, la panique jeux de rôle, la panique Meuporg, la panique réseaux sociaux et tout. Mais à chaque fois, ils finissent par… c'est un peu quand on était jeune, on jouait à un jeu… Sur Radio Courtoisie, c'est au bout de combien de secondes d'écoute, il nous expliquait qu'il y avait trop d'arabes. Et en général, ça oscillait entre 25 et 47 secondes, quoi, suivant le moment où on entrait dans la zone, quoi. Et ça me fait un peu ça, l'effet à chaque fois sur les paniques morales, quoi. C'est que de la petite sirène au marché de Noël, en passant par la viande, quoi. Ça finit toujours, même pour la viande, par exemple, qui était normalement pas un délire rasso, c'est leur truc mascu, machin et tout, mais ça finit quand même à chaque fois par être un peu rasso, quoi. C'est aussi, une caractéristique de la panique, des paniques morales que tu nous présentes chaque week-end, quoi. C'est que, et celle-là, c'est la super panique, quoi. C'est l'hyper panique, en fait. C'est la, hein, c'est l'hyper thème, quoi. Donc voilà. On verra comment ça va se goupiller. Bon, là, ça commence tôt, hein, on est au mois d'octobre. Hein, donc, c'est un peu. Ça suit aussi le marché de Noël, c'est-à-dire que le marché tout court, sens large. Mmh. On a les décorations qui côtoient maintenant, les décorations de Noël dans les magasins qui côtoient celles de Halloween. Hein, vous savez bien comment ça fonctionne. On commence à parler de Noël au mois d'octobre, dans la pub et dans les magasins. Donc là, la panique suit, en fait, j'ai envie de dire,
le schéma capitaliste. Alors moi j'aime bien les groupes de jeunes, les groupes de rock chrétien, là. Il y a encore ça, les groupes de rap et de rock chrétien, là, qui se mettent devant les trucs pour expliquer que Halloween c'est Satan, là. Moi je les aime bien, là. Il faut qu'on en trouve, quoi. Faudra y penser. Mais en tout cas, pour revenir à ces paniques-là, tous les ans, là, depuis 2-3 ans en tout cas, que j'y songe, elles reviennent. Et c'est quand même marronnier dans la presse, en fait. Noël approche, hop, on va parler de la chrétienté, parce que Noël, c'est chrétien. Donc, il ne faudra surtout pas que, quand même, on nous enlève des crèches. On a vraiment il y a une épiphanie autour de Noël, quoi. Là, c'est le cas de dire. Hein. On est vraiment sur la défense de ce symbole qu'est Noël. C'est une panique qui est une vieille panique conservatrice, d'ailleurs américaine aussi. Hein. Le sauvetage de Noël, ça a commencé avec Henry Ford. Hein. Donc, c'est vraiment, ce sont des paniques qui existent et qui ont été importées. Ça, voilà, cette importance qui est conférée par ce moment-là. Et là, dans le cadre de notre islamophobie quand même rampante, on est depuis 3 ans en France, en Hexagone en tout cas, sur le retour saisonnier de cette panique, sous quelque forme qu'elle soit. Là, c'est le marché en l'occurrence, c'est Loukoum versus croix chinoise. Barbara, quand tu dis les croix, il y a le côté gros conteneur polluant plein de... Oui, ça c'est sûr, ça c'est évident. Le truc, c'est qu'ils ne le présentent même pas comme ça. J'aurais apprécié qu'ils le présentent comme ça, moi aussi. Genre, voilà, on n'a pas besoin de tout ça, c'est un peu de sobriété, un peu de, je sais pas, un peu de retenue, un peu de hachouma, non, rien, non, que dalle. On a, non, les croix chinoises. C'est ça qui me dérange dans l'explication de l'adjoint au maire, quoi. Parce qu'en vérité, ce n'est même pas pour un problème environnemental, c'est pour un problème d'authenticité des produits, voilà, et surtout pas. Et donc, du coup, comme quoi les produits étrangers ne seraient pas authentiques. Non. Bon, c'est un peu bizarre la façon dont c'est formulé. Peut-être est-ce la façon dont a été rédigé l'article, je ne sais pas, dont ont été rapportés les propos. Néanmoins, ça me paraît quand même pas toucher le but, quoi, tu vois, voilà. C'est juste ça. Mais c'est vrai qu'on est bien d'accord sur le fait que toute cette marchandisation de Noël, elle est abusive, quoi. Elle est certainement très destructrice pour la planète aussi, voire dangereuse. D'ailleurs, il y a des produits qui sont certainement après pas conformes, voire dangereux sur faire manipuler, par exemple, à des enfants ou quoi, trucs qui seraient pas super, quoi. Mais voilà, faut voir aussi qui ça vise, qui vend ça, comment. Enfin, faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ça, à creuser. Oui, parce que, bon, après, je vois bien qu'il y a, enfin, là, on le dit bien dans l'article, il y a un partenariat quand même assez serré entre la Chambre de commerce et d'industrie, les artisans, les représentants des exposants, les élus. Bon, voilà, de toute façon, sur un marché de Noël, il faut toujours montrer patte blanche. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ça serait d'ailleurs intéressant de voir comment ça fonctionne dans vos villes. Mais moi, je sais que dans la mienne, c'est un peu les copains du maire. Hein. Il faut montrer patte blanche. Voilà. Et parce que, voilà, là, au moins, ils disent les termes. Il y a un besoin d'authenticité sur ce moment de chrétienté. OK, super. Mais voilà. Alors, la raclette, le champagne viendrait de Chine. Ben, écoute, oui, ça serait... Voilà. Donc là, on n'a pas fini. Hein. Je vous préviens que... Enfin, je pense, hein, franchement, qu'on aura d'autres paniques autour de Noël, et notamment autour de la dinde. Est-elle déconstruite? Faut-il manger de la dinde ou du chapon? Faut-il être sexiste ou LGBT-phobe? Faut-il passer Repassa Sandrine Rousseau, ma dinde au barbecue? J'attends des trucs incroyables cette année. J'attends vraiment des trucs incroyables. Voilà. Blanche et chrétienne, ouais, je sais pas si ça va jusque-là, parce que, bon, voilà, mais pas de blanche, c'est sûr. Et après, Strasbourg, c'est vrai que, voilà, il y a un bail, quoi. Strasbourg, ils sont sous le concordat. C'est pas tout à fait le marché de Strasbourg, c'est pas tout à fait le même que le marché de n'importe où, quoi. Voilà, ils sont toujours estampillés capitale de Noël, certes, mais aussi de la chrétienté en France, quoi. Enfin, je sais pas si ça fonctionne comme ça, autrement que dans les mots que j'emploie. Si, mais ouais, Strasbourg, quoi, c'est...
Mais c'est intéressant, c'est ce que disait aussi, c'est le côté bise là, de ce truc-là, moi je ne savais pas, Zippo elle disait que, je crois que c'est Zippo, Zippo elle disait que genre, c'était trop rush pour les artisans locaux, et c'est vrai que c'est un peu les mêmes... C'est cher les emplacements, ouais. Ouais, 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 et nous c'est toujours un peu les mêmes, il y en a qui font du jeu en bois, d'autres des bijoux, d'autres... Il y en a un qui fait du jeu de rôle, du jeu de plateau, moi j'aime bien celui-là, il vient, c'est assez curieux en fait, ceux qui sont présents dans ces petites cabanes en bois, à ce moment-là, ouais. Quoi, voilà, mais alors, tout un bise aussi, quoi. Les jeux, ils sont pas forcément tous artisanaux, quoi, tu vois, il y a vraiment... Ils sont grave pas artisanaux, quoi. Celui qui fait son plateau de jeu, son petit jeu pour enfants, ou son petit casse-tête en bois, voilà, il est... Il l'a fait lui-même, bon, en général, voilà. Ou alors, il a fait découper les pièces, mais il les a peintes, en fait, il les a conçues, peintes, vernies, avec des trucs aux normes, parce qu'il faut que ça soit aux normes pour les enfants. Etc. Donc, et puis, tu as celui à côté qui vend du jeu qu'il a importé, quoi. Et du coup, moins cher. Il y avait toujours des frictions autour des marchés de Noël par rapport à ça. Moi, à un moment donné, là, j'avais une partie de la famille qui était... Bah, j'ai des artisans dans Alex Belle Famille, et ça causait tout le temps. Mais deux mois avant, tu prépares le marché, puis après, il y a un climax, tu vois, à un moment donné, c'est juste l'ouverture, tu vois, où là, tu vois qui est là, et oh, mais l'autre, il vend ça, oui, mais l'autre, il baisse les prix parce que. Et c'est vraiment, mais purée, dans la sociabilité de ville, de petite ville, ou de voire de village, c'est un moment assez crispant, quoi, je pense. Voilà. Moi, je voyais ça de l'extérieur, mais à la fois avec des gens qui étaient à l'intérieur, tu vois. Donc, tu as les artisans d'art, par exemple, ils vendent cher par rapport aux autres. Tu vois ? Et c'est ça aussi, le côté emmerdant de la chose, c'est que ben, ils sont pas. Les gens qui arrivent sur le marché de Noël, ils passent, il faut les attirer, tu vois. Et il faut qu'ils achètent. Parce que c'est tout un business aussi, hein, c'est un marché, quoi. Donc, c'est fascinant à regarder ça, d'ailleurs. Je m'y suis trouvé une fois sur l'ensemble du marché, en fait, plusieurs jours durant, à tenir un stand. Enfin, tenir, non, voilà, participer à ça. Et tu vois la sociologie du marché, comment ça fonctionne, comment les gens achètent ou n'achètent pas, comment ils passent et disent « Ah, oh, mais ça, c'est cher, l'artisanat, c'est cher, en fait. » Donc, du coup, ils vont ramener un truc aux gamins, mais acheter un camelot, quoi, tu vois. Ou alors, ils vont prendre une confiserie, quelque chose de Noël qui fait voilà, plaisir aux gosses et tout, parce qu'il fait hyper froid, hein. Donc... voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est de ce côté-là. Nous, on a un joli manège avec des vrais chevaux, il est trop classe à Nantes. Voilà. C'est joli, ouais. Ça, c'est joli. Il faut privilégier les marchés de Noël qui durent juste un jour ou deux. Ouais, je pense que ouais, ça serait plutôt pas mal, parce que les trucs qui 15 jours, là, wow, c'est... Enfin, je sais pas. Gigilou, elle a raison sur ça. C'est évident que l'artisanat est cher. Hein. C'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est que c'est ce que vous disiez, c'est que sur les marchés de Noël, il n'y a pas d'artisans. Il y a plutôt, c'est justement pas des artisans. Enfin, il y en a, il y en a, et ils cohabitent avec d'autres, et c'est pas évident pour eux non plus. Bon, tu vois, c'est ça moi que j'ai constaté. Voilà, c'est ça que j'avais constaté quand j'avais été dans cette expérience qui est pour moi sociologique, hein, littéralement. Hein. C'est, je suis pas du Mais tu vois, c'est ce que dit aussi Zippo, quoi. Pour Dijon, par exemple, le marché de Noël, c'est pas la ville qui organise, c'est une structure spécialisée qui fait que ça. On s'est rendu compte récemment, etc. Oui, effectivement, on est dans un espace assez particulier de... Voilà, bah, c'est le capitalisme, hein, de toute façon, quoi. Ok, bah, je suis à ta dispo, si tu veux. Ça y est, je me suis un peu... J'ai mes onglets qui sont pas loin, je suis ready. Donc, n'hésite pas. Ok. Attends, je regarde un peu. Ouais, la dinde déconstruite, c'est en fin de repas. Non, mais je parie qu'on va parler de dinde à Noël, je vous le jure, c'est vrai. Enfin, non, je ne sais pas, en fait. Mais j'espère pas, en vrai, parce que ça va être sale. Dinde versus chapon, ça va être sale à Noël. La panique, là, vous voyez, avec ce que ça va recouper comme idée derrière. Donc, voilà, je voulais parler de ça pour effectivement mettre aussi le curseur sur... qu'est-ce que le mercantilisme de Noël, ouais, voilà, à réfléchir peut-être au fil du temps. Et ce qu'est aussi l'artisanat, effectivement, parce qu'il y a eu déjà des petits débats là sur le prix des choses produites par des artisans. C'était intéressant, je trouve, d'y revenir. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai vu cette semaine et la semaine d'avant dans mon
dans mon manque de temps caractérisé. Vauquier, bon là c'est récent, hein, c'était hier. Vauquier, j'ai les repas de Vauquier. Mais là j'en parle juste 5 minutes. On va peut-être pas enfoncer le clou. Bon, on va peut-être pas non plus parler de Van Gogh, hein, ça suffit. Voilà, toutes mes condoléances aux familles des vitrines. Mais sinon, ouais, il y a Vauquier, notre chef de région Aura, qui fait des repas à 100 000 auprès du contribuable. 1100 balles par convive pour faire du réseautage et favoriser l'influence, le rayonnement, pardon, de la région Aura. Donc on a Mediapart qui a fourni un article. Il faudra qu'on en parlera plus tard si vous voulez voir le suivi de cette histoire, parce que Vauquier compte reproduire ce genre de repas dans un château avec chef, c'était beaucoup plus en l'occurrence, qui permet aux gens de se rencontrer, donc voilà, des gens triés sur le volet, des personnalités sportives aussi bien que des personnalités journalistiques, des chefs d'entreprise, bref, un espèce de gratin que se constitue le chef de région. Pour parler de quoi, ben, telle est la question. Est-ce que c'est pas sa lampe de rancement vers la présidentielle de 2027? Parce que oui, chers amis, 2027, il compte se présenter à la présidentielle, c'est sûr. Donc, effectivement, on a la droite sociale, en fait, qui via Vauquier, hein, qui en est le représentant le plus historique, hein, va revenir sur le tapis. Donc voilà, on avait cette histoire que j'avais... dont j'avais envie de vous parler rapidement, mais sans forcément avoir une source, malheureusement. J'ai l'article de Mediapart, sinon, que je pourrais mettre en fin de chat, si vous, de live, si vous souhaitez. Et là, le gros du morceau, bah, c'était la laïcité. ouais, les tournesols, ouais, c'est vraiment... Non, ça vous évoque pas grand-chose, les dîners de Vauquier. Bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Alors, Pape Diaye a réussi à quand même mettre sur le tapis le problème de la laïcité. Pourquoi? Parce que là, on va commémorer lundi la mémoire de Samuel Paty. Et je pense qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de hasard de calendrier. On nous demande, d'ailleurs, on nous a demandé, moi, en note interne, je ne sais pas les autres collègues, si c'est votre cas, mais... Nous, on a été un peu alertés tard, quoi, dans l'après-midi, que nous aurions lundi, donc dans 2 jours, une heure réservée à la mémoire de Samuel Paty. Donc, avec possibilités de mettre, bien sûr, en place une minute de silence. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le grand classique. Et pour aller plus loin dans l'hommage, nous c'est lundi, le chef d'établissement a décidé c'était lundi, mais en vérité, ça pouvait être vendredi, je crois. Voilà. Donc nous, on a été alertés au dernier moment, parce que c'est le ministre, en fait, qui demande que chaque école et chaque établissement scolaire fasse hommage. Voilà. Donc soit vendredi, mais là, je pense que la communication, en tout cas, moi, je n'ai pas du tout eu. Soit lundi. Et donc, il met en place des ressources et du SCOL pour trouver éventuellement de quoi faire une heure de séquence pédagogique, de séance, parce que là, en l'occurrence, en une heure, ce n'est pas une séquence. Mais enfin, au moins, on peut démarrer une séquence. Donc, il y a une forte incitation à démarrer quelque chose sur une heure dédiée, en plus de la minute de silence. Et j'ai regardé un petit peu ces ressources. Il est évident que ce n'est pas celle de l'Observatoire de la laïcité qui était jusqu'alors notre base de données, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt ce qu'avait proposé. Et Andrea, c'est ça, ça n'existe plus, hein, c'est ça. Oui, c'est la commission rapport aux valeurs de la République. Parce qu'elle n'existe plus, ils ont réussi à la virer, non, l'Observatoire de la laïcité, non? Ils ont viré, ils ont viré l'Observatoire de la laïcité. Et quand tu vas sur Eduscol pour avoir des ressources, tu as des vidéos. Voilà, nouvelle vidéo, nouveau. T'as le Vademecum de la République là, qui avait été édité avec des textes, des commentaires de textes à faire. Les sources ont changé, en fait, littéralement. Ça y est, c'est fait. Voilà. C'était bien ça. Ouais, franchement, donc, c'est insupportable. C'est bien dommage, en effet. Mais bon, après, chacun est libre de. Tu vois, enfin, c'est vrai que là, du coup, il n'y a plus trop de visibilité pour le travail de l'Observatoire. C'est comme ça.
Et ils le savaient en plus, hein, au moment où ils se sont fait congédier, ils avaient noté le fait que c'était avec leurs sources, avec. Hein, c'était, voilà, il y avait un cancel des sources un peu hein, qui était là, quoi. Donc voilà pour un peu le déclencheur, j'ai envie de dire, de ce qu'a les propos de Pape Diaye. Hein. C'est une période clé pour en parler, il l'a saisi. Donc il a eu une interview dans Le Monde, c'est de ça que tu as, je crois, relayé. Voilà. Donc sur l'article du Monde, il s'est passé des choses vraiment qui ont fait réagir. Enfin, il s'est dit des choses qui ont fait réagir fortement. Donc on va peut-être, alors je commence, c'est pas, moi je n'ai pas en entier l'article sur, mais toi tu m'avais donné des screens, j'ai consulté, donc alors à quelques jours des 2 ans de la mort de Samuel Paty, ce professeur d'histoire assassiné par un terroriste islamique après un cours sur la liberté d'expression, le 16 octobre 2020, Le Monde a rencontré le ministre de l'Éducation nationale, Pape Diaye. Soulignant l'importance de ce traumatisme pour la communauté éducative, il développe sa conception de la laïcité, sa stratégie pour lutter contre les tentations communautaires et pour restaurer la place symbolique de l'enseignant dans la société. Donc on a trois accroches. Donc l'importance du traumatisme pour la communauté éducative. Ensuite, la conception de la laïcité qui est la sienne, avec sa stratégie pour lutter contre les tentations communautaires et cette fameuse place, en fait, symbolique de l'enseignant dans la société. Ça m'a un peu interpellé, ça, d'entrée de jeu. Gilou, les Vademécom, les académies s'associent un peu dessus. Oui. Mais bon, c'est vraiment... Salut, Mafouba. Donc, voilà, on a trois... Justement, Andrea, pour ceux qui viennent d'arriver, on en est à notre deuxième dossier là, de la matinée. On a travaillé sur la crise du travail social. Et là, Andrea vous propose quelque chose autour de la laïcité, après nous avoir présenté une nouvelle magnifique panique morale autour du marché de Noël. Et donc, on est à quelques jours de la commémoration de la mort de l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, Andrea, vous proposez un dossier autour de ça. On a beaucoup commenté l'article donné au Monde. Bah, voilà, donc c'est une interview en fait. Donc là, où Pape Diaye va essayer de se dépatouiller avec dans la stratégie pour lutter contre, je cite, les tentations communautaires. Bon, et moi, ce qui m'interpelle, bon, déjà, il y a des choses là qu'on va commenter ce matin ensemble, mais aussi restaurer la place symbolique de l'enseignant dans la société, là, je pense que ça vaudra le coup de s'y attarder. Alors, donc, le question posée à Pape Diaye, nous avons commémoré le 16 octobre les 2 ans de l'assassinat de Samuel Paty, pourquoi, de quoi est-il devenu le symbole? Pape Diaye répond, son assassinat par un terroriste a été un choc immense. Et 2 ans après, il se fait encore sentir. C'est un trauma extrêmement puissant. Moi qui suis professeur d'histoire, je le ressens encore. Samuel Paty incarne l'acte d'enseigner, de devoir transmettre indépendamment des pressions, y compris religieuses. C'est pour cela que sa mort a été aussi traumatisante, outre ses circonstances horribles. L'assassin s'est attaqué à l'école, dans son essence même. Un hommage lui sera rendu dans chaque établissement vendredi ou lundi. Nous demandons à tous les établissements de le faire. Bon. Je trouve que là, déjà, sur la fabrique du trauma, on y va fort. Enfin, au bout d'un moment, voilà. C'est pareil, je voudrais pas dire des conneries sur mon collègue, feu mon collègue, mais je me suis pas sentie, en tant que prof d'histoire, en tout cas, moi, traumatisée par cet acte en termes de prof d'histoire. Humainement, c'est compliqué à gérer. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui, là, il s'est passé quelque chose qui ne devrait jamais arriver. En revanche, je trouve que apparier le trauma humain, c'est oui, quelqu'un est mort de façon extrêmement dégueulasse et violente, à un trauma professionnel, je ne sais pas si c'est valable. Voilà. Première question que moi, personnellement, j'ai envie de me poser, de poser. Voilà. L'assassin s'est attaqué à l'école dans son essence même. Je ne suis pas sûre. Voilà. Je ne crois pas, en vérité. Mais bon.
Oui, je crois que voilà, là, il y a. On glisse sur quelque chose qui est de l'ordre. Qui me fait penser à ce sur quoi on a glissé après chaque attentat, en fait. Voilà. On s'attaque à nos valeurs. Après, d'autant. On s'attaque à nous personnellement, quoi. C'est à ce qu'on représente. Je crois que là, on est encore en train de fabriquer un islam politique. Exactement. Voilà. Mais d'autant qu'en plus, c'est vrai qu'on a glissé aussi assez vite de considérations techniques et administratives qui valaient peut-être le coup d'être posées, j'en sais rien. Transmission d'informations à l'intérieur d'une institution, chaîne de hiérarchie, etc. À du symbolique en mélangeant un petit peu tout, quoi. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles d'une différence entre un trauma humain, entre un trauma professionnel. Moi, j'étais plus prof à ce moment-là. Bah, ça m'a fait autant de mal que toi, genre, dans ma chair et physiquement, en tant qu'humain, etc. quoi. Maintenant, bah, écoute, j'entends ce que tu dis, toi, en tant que prof d'histoire. Quoi. Voilà, je reçois. Bah, moi, je sais qu'en tant que prof d'histoire, je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas le même vécu. Donc, que... Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pas... Après, je n'ai pas non plus la même, le même environnement que l'avait Feu Samuel. Je n'avais pas, voilà. Mais je n'ai pas non plus, et ça je vais l'admettre, la même dynamique pour parler de ce sujet. Voilà. Donc, Non, mais merci de partager avec nous. Hein, c'est sa faute, il avait qu'à pas. Et ceux qui disent, oh là là, c'est un trauma terrible parce que la profession entière est attaquée, je dis non, stop, arrêtez tous les uns et les autres de faire ça, quoi. C'est voilà, il ne pouvait pas mourir pour avoir fait ce qu'il a fait, mais il ne faut pas non plus dire que ce qu'il a fait, ça doit être revendiqué comme la chose à faire pour se débarrasser de tous les obscurantismes prétendus naninana. C'est on est vraiment sur une pente incroyablement nauséabonde dans un cas comme dans l'autre, en fait. Et je trouve que l'instrumentalisation, encore une fois, de cette mort, elle n'a pas de fin et ça me pose souci. Pour la suite. Mais bon, faut voir. En tout cas, dès lors qu'on fait vivre des modèles de laïcité dans des établissements et que ça ne se passe pas comme ce que nous proposent certaines instances gouvernementales ou idéologiques, coucou le PR, il faudrait qu'on se remette en question sur notre authentique laïcité. Ça a été une attaque en règle sur l'observatoire et c'est une attaque en règle à venir, enfin présente et à venir, sur ceux qui ne pratiquent pas la laïcité dite, comme on l'avait appelé souvent Philippe, de combat. D'accord ? Et du coup, c'est ce que dit Vincent, tu vois. Vincent, il dit ouais. Personnellement, si j'étais prof d'histoire, je serais plus choqué par les propos des éditorialistes TV et nos hommes politiques. Voilà, bien sûr. Je vous laisse. Bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il y a aussi toute une façon d'enseigner la caricature qui ne passe pas par Charlie Hebdo. Moi, je le dis, j'assume. Voilà. On peut quand même voilà, essayer aussi de sortir. Parce que voilà, il y a eu là. Ah ouais, qu'on sorte de ça, putain. Une énorme confusion, il faudrait qu'on sorte de ça, ouais, complètement, quoi, vraiment. Bon. Sans pour autant dire qu'il l'a cherché, tu vois. Mais il y a moyen d'avoir un discours qui puisse être un peu nuancé, tout en disant que il est. Moi, je sais pas, en tant que prof aujourd'hui, il serait hors de question que j'illustre le moindre cours sur la caricature à partir de Charlie, quoi. C'est tout, c'est bon, quoi. Mais bon, voilà. Mais... Après, c'est possible, hein, mais ça a été fait, d'ailleurs, ça a été rendu possible avec les politiques, par exemple, tu vois. Mais voilà, il y a deux périodes Charlie, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Bien sûr. Celle avant et celle après. Et celle après, de base, déjà, il faut savoir d'où elle vient, d'où on part quand on utilise les... C'est très compliqué, en fait. Très, très compliqué. Parce que ça ne choque pas que les musulmans. C'est... Non, bien sûr, ça ne choque pas que les musulmans, mais on voit aussi que... En fait, on voit aussi... La caricature, en fait, c'est vrai qu'il y a un combat, j'ai l'impression, d'arrière-garde pour qu'elle résiste, via Charlie, bien sûr. Hein. Mais c'est ce côté aussi, je pense, cette esthétique qui devient de plus en plus outrancière et vulgaire, commence à... Les jeunes n'en ont plus rien à faire, en fait. Vraiment. C'est, moi, je le constate, quoi. C'est, ils s'en foutent, en fait. Il y a autre chose à... Le dessin de presse, d'accord, ça peut encore être utilisé, mais je trouve que c'est de moins en moins
je sais pas, ce n'est plus une préoccupation, un kiff du tout, même. Enfin, les adultes, peut-être, adorent encore les caricatures et le dessin de presse. Et je ne remets pas en disant cela l'existence, la légitimité du dessin de presse et de la caricature. Attention. Je dis juste que c'est un moyen d'expression qui n'est plus autant mobilisable, parfois, que pour dénoncer les oppressions, ou pour dénoncer, même pour rigoler, quoi. Est-ce que c'est drôle encore? Je pense que les jeunes ne sont pas forcément tous du même avis. Donc grave. En plus, nous, on est dans une génération qui a encore été marquée par une présence forte des guignols de l'info, moi, quand j'étais gamin, ouais. Quoi. Et qui a été aussi une de nos entrées aux politiques. Donc, c'est vrai que les gens de ma génération étaient un petit peu initiés à cette question-là, quoi. Réserve à l'équipe et ailleurs, etc. C'est vrai que ça a fait partie de nous. Je suis d'accord avec toi, hein. Aujourd'hui, le même, c'est pas la caricature, on est passé dans autre chose aussi, quoi. Indépendamment de toute considération sur Charlie, quoi. Tu fais bien de le rappeler, oui. J'y avais pas pensé, ouais. Ouais, parce que, alors, du coup, Gilou qui dit quelque chose que je partage abondamment. La caricature, c'est comme l'humour, on peut en faire pour montrer les travers des oppresseurs, pas pour stigmatiser les opprimés. Il faut le rappeler haut et fort, ça. Non, mais c'est bien de reposer ces choses-là sur la table et tout. C'est ça la boussole, en fait. Voilà. La caricature, de base, se moque des oppresseurs et pas des opprimés. Et donc, c'est pas là où on a un renversement qui a été opéré. Bon, alors, on pourrait discuter sur combien de périodes Charlie, ouais, les enfants, hein, je sais pas. Mais moi, j'en vois au moins deux, c'est sûr. Mais trois, ouais, certainement. Et Cavada, ouais. Bon, en tout cas, moi, je me souviens du Charlie de mon enfance, quoi, comme on dit. Où les parents, ils achetaient Charlie pour se foutre de la gueule des politiques. Mais jusqu'à ma période fac, moi je me rappelle, Charlie était encore possiblement drôle quand ils avaient et des fait, prêtres et de l'extrême droite, tu vois, j'ai souvenir de ça moi aussi. Ouais, après il y a eu un virage. Là, de toute façon, il y a eu bon. Après, de base, dès que ça parle religion, on peut se sentir déjà pas concerné quand on est soi-même croyant. Mais rien que sur la politique, ils ont changé aussi. Je veux dire. Après, tu te rappelles, on a eu, je sais pas si vous avez connu cette période-là, mais c'est aussi, je suis d'accord avec l'idée des, oui, il y a le virage Philippe Val. Ce qui était dit là, la caricature, ouais. C'est un outil dont les bourgeois, les masculins, les racistes se servent aussi contre nous. Regardez Marceau, quoi. Je sais pas si vous avez suivi les problématiques. C'est dégueulasse. En plus, ce qu'il fait, c'est moche, putain. Pardon. Voilà. On est là-dedans, mais est-ce que c'est si loin que ça de certains trucs de Charlie, quoi, tu vois. Oui, mais non, pousse, non, en fait. Tu vois, moi, Marceau, c'est Rasseau, quoi. Cette esthétique, elle me branche pas. Bon, après, ça, c'est subjectif. Bon, j'ai bien rigolé. La dernière fois où j'avais bien rigolé, c'était quand ils avaient dessiné Sarkozy avec deux flingues à la place des oreilles. Et ça reprenait la vieille chanson de rock, tu sais, petit avec des grandes oreilles. Et ils avaient titré comme ça, quoi. Parce que quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, là, ils tapaient dessus à fond, quoi. Il y a eu une période Pasqua aussi. Il y a eu. Bon, quand ils tapaient sur la grosse droite, là. Ça, on trouvait ça drôle, tu vois. Mais il y a eu un moment où, plaf, ça y est, ça s'est retourné. Et puis, on sait maintenant ce que c'est devenu, quoi. Donc, inutile d'en faire plus de commentaires. En tout cas, voilà. Sur petit point, quoi, sur la caricature, est-ce que c'est encore mobilisable? Est-ce que c'est encore... Et comment? Comment et avec quoi? C'est vrai que, voilà, il faudrait chercher un petit peu un renouvellement, peut-être, de la caricature, du dessin de presse, voire... Et je pense que là, l'éducation nationale, elle a du souci à se faire, parce que c'est toujours les mêmes topos. Hein. Donc, et puis là, en plus, dans le cadre de la laïcité de combat, ça devient presque, vous voyez, un porte-étendard. Oh là là, j'ai fait une couverture de Charlie, ouais, super. Et il m'est rien arrivé. Ouais, ben, je trouve ça mais insupportable, en fait. Si c'est pour finir, comme les fachos qui nous font des soirées saucisses, barbecue, pris en photo en disant « t'as vu les Arabes, je mange de la saucisse », tu vois. Allons pas là-dedans, quoi. Tu vois, c'est bon, quoi. Salut, Corbeau gentil. Et voilà. Du coup, écoutez, je vais peut-être continuer un petit peu sur ce qu'il dit. Là, on arrive alors sur les tenues, cœur du propos. Donc, nous allons commémorer blablabla, ça je l'ai lu. Cette commémoration intervient à un moment où les atteintes à la laïcité sont en hausse dans les établissements scolaires. Quels sont les derniers chiffres compilés par les académies?
Alors, Papdiaye répond que pour septembre, pour la première fois que les chiffres sont publiés mensuellement, on recense 313 faits d'atteinte au principe de la laïcité. Au dernier trimestre de l'année précédente, d'avril à juillet, 909 faits avaient été remontés contre 635 entre décembre et mars. Bon, en gros, voilà, on a des chiffres un peu imbuvables. Lu comme ça, je ne sais pas si vous avez sous les merci yeux. Merci pour le follow, poteau. C'est... Ouais. Merci, merci. Du coup, on a des chiffres qui seraient à la hausse. Donc, le mois de septembre confirme une augmentation des faits d'atteinte au principe de laïcité. 51, plus de la moitié de ces faits ont lieu dans des lycées. Auparavant, les collèges étaient plus concernés. La majorité de ces signalements, 54, concernent le port de signes religieux. Les chiffres de septembre confirment ce que l'on observe depuis un an, à savoir une montée des signalements pour des questions de tenue. En revanche, les signalements pour refus de participer à une activité ou contestation d'enseignement sont plus faibles, autour de 7% chacun. Donc, pour faire bref, il constate une augmentation des atteintes à la laïcité, au principe de laïcité. Ces atteintes ont lieu plus souvent désormais dans les lycées, alors que c'était les collèges avant, et la moitié de ces atteintes concernent le port de tenue, de signes religieux dans la tenue. Voilà, le topo est là. Donc, petite précision sur ces fameuses atteintes, comment ils le savent. Alors, il y a, je ne sais plus où je l'ai mis, mais il y a carrément un site en ligne pour que chaque personne, puisse enseignant ou personnel scolaire, puisse signaler quelque chose. Donc, on a une plateforme de signalement gouvernementale donc, qui permet d'expliquer tout ce qui s'est passé. Donc, ça s'appelle un signalement pour... c'est un formulaire en ligne. Ça s'appelle un signalement pour atteinte au principe de laïcité. Donc, il est réservé au personnel de l'éducation nationale. Donc, n'importe quel navigateur permet d'y accéder. Il faut renseigner un formulaire avec son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son académie, son département, sa commune, le nom de son établissement. Et après, ben voilà, hop, vous passez un CAPTCHA et ça y est, c'est parti. Vous faites votre rapport. Et du coup, après, l'établissement dont on a signalé le numéro de téléphone, quand même, si on veut être recontacté, est recontacté. Et il est possible de garder l'anonymat sur ce signalement, d'accord ? Donc, il y a un coordinateur après, comment ça se passe ? Il y a un coordinateur laïcité du ministère qui rappelle dans les 24 heures, jour ouvrable. Donc, pour apporter une écoute, évoquer des points de situation plus précisément, échanger, quoi, voilà. Et selon la nature des faits, le coordinateur laïcité du ministère, il vous oriente. Donc, soit il vous donne une réponse de premier niveau proposée par le vademécum de la laïcité parce que vous n'avez pas eu le temps de le lire et que vous, il vous dit « Ah, vous pouvez faire ça ». Soit il vous oriente vers un spécialiste de l'administration, soit carrément il vous oriente vers une équipe laïcité et faits religieux de votre académie, présente dans chaque rectorat. Et donc, cette équipe, elle vous apporte des conseils dits pratiques. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est en train de se passer. Donc, ça veut dire qu'on a des membres, chaque académie a une équipe, laïcité et faits religieux. Cette équipe, elle est désignée par les recteurs. Voilà. Donc, désignée sur, je pense, il faut quand même être un peu volontaire, mais... A priori, c'est quand même un truc assez opaque. Qui le fait, c'est eux qui le font. Comment c'est. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Moi, je sais qu'on ne nous a pas demandé notre avis. Mais voilà. Donc, alors, ces données, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Elles sont collectées dans le but d'enregistrer, de traiter des signalements donc effectués par les personnels. Et donc, elles rentrent là dans les stats dont parle Papdiaye, 313 faits en septembre. Donc maintenant, on a une gestion mensuelle. Voilà, du chiffre. c'est assez... Ça se met bien en place, quoi, vous voyez, si j'ai envie de dire. Il y a une finalité statistique qui est en train de se peaufiner. Voilà. Donc, ça, c'était pour le comment ça fonctionne. Donc, c'est pas forcément un truc pharos et tout, quoi. C'est... On a maintenant une plateforme, un formulaire en ligne et des équipes qui sont opérationnelles dans chaque académie pour traiter le cas.
Voilà, voilà. Donc, côté chat, ouais, on parle encore de caricature. Ouais. Ok. Donc, bon, je continue un petit peu si vous souhaitez, avec vraiment les propos tenus sur comment les filles. Comment interprétez-vous ces chiffres? Quels sont les plus élevés? Sont-ils plus élevés, pardon, parce que remontés de façon systématique? Bon, là, je passe un peu tout ça, parce que je viens de vous l'expliquer. Bien sûr que, forcément, il y a plus de signalements, donc il y a plus, les chiffres sont beaucoup plus hauts. Mais il y a un détail qui vous aura peut-être pas échappé, ceux qui suivent un peu les réseaux. Il dit, depuis quelques mois, nous avons pris connaissance d'un phénomène de coordination et d'agitation d'une partie de notre jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc là, là, on est en train de rentrer dans le, voilà, le cœur du sujet. Il y a une coordination des jeunes pour, alors pourquoi ? Ben pour contrer la loi 2004 sur le signe, sur la loi sur le port des signes religieux ostentatoires. Vous vous rappelez de ça ? Donc là, ça va évoquer TikTok. Donc, alors, comment aussi les équipes détectent des choses comme ça? C'est-à-dire que là, par exemple, ils disent, ouais, bon, il y a une offensive, une coordination des jeunes, ils font exprès, donc en gros, c'est ce qui est dit, hein, d'agiter, voilà, via les réseaux sociaux, donc TikTok, on va en parler après, sur agiter un peu l'opinion autour de, pour contrer la loi 2004. Et comment on le sait? Ben, il dit, lorsque les équipes, donc, de lycée, hein, dialogue avec ces jeunes, donc ces jeunes qui auraient eu des manquements, qui auraient eu des tenues non conformes à la laïcité. Alors, les équipes repèrent des éléments de langage identiques à ceux que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, nous estimons que ces derniers ont une responsabilité forte avec les conseils que certains influenceurs mal intentionnés peuvent donner aux adolescents pour déjouer la loi. Donc là, il s'agissait des vidéos des filles hein, qui se filmaient pour porter des tenues qui pouvaient être modifiables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et là, c'est vraiment c'est des influenceurs de TikTok qui sont visés pour vraiment... dissimuler leur tenue tout en les portant, vous voyez, et en se filmant aussi en salle de classe avec le hijab et tout, tu sais. Vous avez pas vu cette histoire là? Non, bah il s'agit de ça en fait. Voilà, ils se préoccupent en ce moment de savoir comment les influenceuses et les influenceurs TikTok notamment ont coordonné une action pour que se multiplient les manquements justement à la laïcité via la tenue vestimentaire, notamment celle des filles. D'accord ? Donc, les chefs d'établissement réclament des consignes claires sur les tenues litigieuses. Faut-il revoir la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux dans les établissements scolaires pour la préciser ? Donc, ça, c'est la question du journaliste. Et Pape Dia y répond que la loi est parfaitement claire, elle est précisée par le vademécum de la laïcité, donc qui accompagne les chefs d'établissement lorsque les professeurs et les chefs d'établissement ont des difficultés. Donc, et il précise qu'ils peuvent aussi se tourner désormais vers les cellules valeurs de la République qui existent dans chaque rectorat. Et ces cellules valeurs de la République, c'est Blanquer qui les avait mis en place, souvenez-vous. Donc, il y a des signes religieux qui le sont par nature. Un voile, une kippa ou une grosse croix. Voilà qui ne prête pas à débat. Et puis, il y a les signes religieux par destination, qui peuvent le devenir par une intention que leur prête leur auteur. Donc, en fait, en gros... Un bandana, par exemple, n'est pas un signe religieux en lui-même, mais il peut le devenir. Voilà, il prend cet exemple-là. Nous ne pouvons pas publier un catalogue de tous les vêtements qui pourraient être religieux, dit-il. C'est pourquoi les chefs d'établissement doivent regarder précisément les signes ostensibles. Est-ce que, par exemple, la jeune fille qui porte telle ou telle robe la met régulièrement? Est-ce qu'elle refuse de changer de tenue? Est-ce que cela s'accompagne d'autres signaux? Voilà des éléments qui peuvent laisser à penser qu'il s'agit bien d'un signe religieux amenant à du prosélytisme. Il convient d'agir avec fermeté et discernement, blablabla, blablabla. Alors là, Caden, de l'ancien observatoire de la laïcité, a répondu abondamment sur le sujet. Mais première remarque, on est quand même, encore une fois, sur la police du vêtement. Qu'il le veuille ou non, qu'il s'en défende ou pas, là, on est... Ouais, puis là, on est sur une captation de l'intime, tu vois, là, c'est insupportable, franchement. Quoi. Là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, là, t'as vu, autant il y a dans nos...
Autant ouais. dans nos propositions à chaque fois, et dans tes paniques morales en particulier, il y a souvent un point rasso au bout d'un moment ou d'un autre, il y a aussi un point libéralisme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a pu développer sur comment ça se passe un entretien d'embauche, pourquoi on va capter de l'intime de plus en plus, pourquoi au boulot maintenant il ne faut pas seulement faire son boulot, mais en plus montrer qu'on a investi, et comme dit Karl là, c'est le sourire dans les trucs de télémarketing. On voit bien qu'ici on a un petit peu cette même logique de... C'est ce que Foucault explique sur le biopolitique. Hein. On régit des corps, on régit du vivant, on régit du vibrant. Et là, il y a ça. Là. Et ça, c'est vraiment insupportable. Hein. Vraiment, ça, c'est abject, hein, franchement. Rappelez-vous qu'en plus, bon, là, il y a le phénomène des abayas qui a été mis sur le devant de la scène via ces influenceuses, entre guillemets, hein, TikTok. Où bon, bah, y avait vraiment des jeunes filles qui présentaient la façon de rétracter une abaya, quoi, en fait, en gros, d'avoir, voilà, parce qu'elles sont doublées, si vous voulez, il y a deux épaisseurs, il y a deux couches, donc en fait, on peut rentrer une dans le pantalon et laisser l'autre qui fait unique, vous voyez, on peut, bon, c'est, donc ça a profondément choqué ben, la fachosphère, évidemment, et puis le gouvernement se met en ordre de marche pour dire non, mais ça, attention, ouh là là, c'est ce dont il parlait, les influenceurs mal intentionnés qui peuvent donner aux adolescents des tutos, quoi, en gros, pour déjouer la loi. Mais après, elles se font cracher sur la gueule à longueur de temps, tu vois. Il y a un moment qu'elles viennent dans la cour... Avant les abayas, il y avait déjà les jupes longues, rappelle-toi. Il y a quelques... Mais à la limite, une gamine de 15 ans qui se fait cracher sur la gueule à longueur de journée, bah, il y a un moment, voilà, elle va filouter, se faire ses petites vidéos. C'est des stratégies de détournement et de résistance, quoi. De certes, il explique bien ça. Et c'est tout, quoi, hein, tu vois. Voilà. Et bien d'ailleurs, si tu veux, si on a le temps tout à l'heure, on peut passer la réponse de la prof, là, qui avait été magnifique, en fait. Sur BFM, là, on aura Sarah, au fait. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, c'est le grand retour de Sarah El-Haïry, Madame Esther, rappelez-vous, et qui a commenté les propos de Pape Diaye, et qui a eu des propos quand même assez lunaires aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, le vêtement, le corps des filles, encore une fois, la police du vêtement, et notamment... celui des filles est examiné de près. Donc, bandana, abaya, tunique longue, jupe un peu trop longue. Bon, voilà, on reste sur ce bail-là, qui est quand même assez... voilà, quoi. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, c'est pour chasser vraiment le prosélytisme. On va y revenir là-dessus. Cette idée de prosélytisme aussi, qui est complètement claquée de l'école. Mais il y a aussi, et vous le savez très bien, tout ce qui est de l'ordre des tenues qui seraient, elles, à contrario, un peu trop courtes. Qui soit examiné, encore une fois, le corps des jeunes filles est quand même largement examiné, je trouve. Voilà, que ce soit dans... C'est pareil, mais ouais, mais ça va vous paraître bizarre de faire le rapprochement, mais... Top, d'un côté... Mais ouais, moi je revois Finkielkraut baver, là, en parlant des ficelles de string et des crop tops des gamines de 12 ans, quoi. Et de voir tous ces connards qui bavent devant des gamines en expliquant comment... Bon, là, on est dans un cas qui est un peu différent, mais en même temps, du string au crop top, en passant par les signes religieux, là, pour moi, il y a cette espèce de dynamique un peu malsaine de ce que tu dis, la police du vêtement, là. Allez voir comment une jeune fille, elle s'habille, quoi. Ça, c'est quand même très particulier, hein. Pour une bande de connards qui, après, nous explique que, ouais, pour le même Finkielkraut qui va t'expliquer que Duhamel, ouais, mais les réseaux sociaux, il n'y a aucune nuance, la justice, c'est pas ça, et puis, est-ce que par hasard, va te faire foutre, tu parles d'inceste, là. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a, je me reprends parce que là tout est mélangé. Ce que je veux dire, c'est que il y a un certain nombre d'attitudes de cette classe là qui est assez abjecte en fait dans son appréhension vis-à-vis soit de certaines problématiques de société et du deux poids deux mesures. D'ailleurs, ils aiment bien utiliser cette expression et de voir à ce niveau là le rapport avec des jeunes filles, pas seulement une question avec l'islam, mais aussi avec les jeunes filles, quoi. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Alors, bien sûr, il faudrait construire le truc rigoureusement et tout, etc. Est-ce qu'il y a solution de continuité ou pas du string au voile, quoi? Mais posons ça un peu sur la table, quoi. La police du vêtement, le regard sur les jeunes filles, quoi. Il y a, à mon avis, un truc à aller chercher quand même sur ça. Hein. Il se porte sur les jeunes filles, effectivement, pour des tenues qui sont jugées sexualisantes ou pour des tenues qui sont jugées prosélytes, tout simplement, exprimant une religion. Et là, en l'occurrence, il est question plutôt de l'islam, hein,
C'est toujours sur lui que ça tombe, hein, parce que c'est vraiment là. Et alors là, moi, ce qui me. Ils réagissent, ils ont une réaction assez rapide à cette histoire de TikTokeuse, justement, qui s'était filmée en salle de classe, ou qui, en dehors de la classe, donnait des consignes vestimentaires pour respecter sa religion tout en essayant de filouter l'institution. En fait, ils l'ont très, très, très mal pris, quoi. Ou très mal pris, ou en tout cas, saisi l'opportunité, parce que j'ai plutôt envie de dire ça, pour remettre une couche qui va d'ailleurs servir, je ne veux pas tomber dans le complot facile, mais ça va d'ailleurs servir à mettre en place réellement opérationnel tout ce qu'ils ont posé là. Le fameux Vadémécom, les fameux cités du Skol Valeur de la République, ces signalements-là, l'exploitation statistique de ces signalements, il faut que ça serve à quelque chose. Il y a des conseillers qui sont payés 100 000. Faudrait, parce que là, d'ailleurs, tiens, au fait, en parlant de ça, petit aparté, hein, parmi les conseillers les mieux payés, il y a ceux de l'éducation nationale. Les cabinets conseils, tous les vraiment, bon, on pourra y revenir, mais franchement, là aussi, on a des gens qui sont quand même payés globalement à faire chier le monde, quoi. Donc, en gros, pardon, hein, c'était le petit bloups, j'ai un peu vrillé. Donc, ouais, non, attends. Là, on est sur des gens qui justifient leur salaire, en fait, de façon assez, hein, tu vois. Donc, comment protéger les adolescents de ces influenceurs, demande le journaliste, qui les poussent autant à contourner autant que possible la loi de 2004. Alors, Tabdia, il répond, nous ne sommes pas naïfs vis-à-vis de ces influenceurs qui ne veulent pas de bien aux élèves, à l'école et à la République. Nous allons faire ce qu'il faut pour limiter autant que possible l'influence néfaste de ces agitateurs islamistes. J'ai hurlé. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur sur ce point. La République est plus forte que TikTok. S'il vous plaît. Pardon, mais bon, là, je trouve qu'il est un peu craqué, quoi, Pape, voilà. Et d'ailleurs, Sarah El-Haïry, après, sur BFM, va dire exactement la même chose, quoi. Et en prenant, si vous voulez, on se l'économisera, Sarah, si vous voulez absolument la revoir, les fans de mon dossier SNU, là, elle a parlé de reconquête. Elle emploie le terme reconquête, quoi, s'il vous plaît. Il faut reconquérir, il faut mener un combat offensif pour récupérer notre laïcité. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge de la laïcité de combat. Et la plus grosse déception pour moi, c'est de voir Pape Diaye tomber là-dedans. Déception. Ouais, d'ailleurs je te coupe. Qui lui a écrit directement d'ailleurs sur Twitter. Et Ludivine Vantini a été, elle aussi, fortement choquée. Quand on connaît quand même Pape Diaye, on savait qu'il ne ferait pas non plus une remise en question ni du capitalisme, ni du projet de libéralisation de l'école. D'accord, on le savait, on n'est pas naïfs nous non plus, mais on espérait quand même, voilà, ne pas voir sous nos yeux ce genre de propos. Mais ouais, parce que moi, en fait, j'ai une schizophrénie chelou avec Pape Diaye, c'est qu'en fait, en ce moment, je travaille beaucoup sur l'histoire de l'esclavage, là, dans le cadre de la colonie et tout, dans le cadre des streams que je propose là, le mardi et le vendredi, quoi. Je suis en train de regarder en ce moment, il est très bien d'ailleurs, regardez-le. Il y a un grand doc en trois parties sur les routes de l'esclavage, ça s'appelle, c'est pas mal du tout, quoi. Et donc, il y intervient assez régulièrement. Et genre, c'est une question aussi, ce qu'il dit à l'intérieur de cela, puis après je l'ai écouté dans des conférences, et je suis en train de lire un peu ses articles en ce moment. Enfin, il peut pas écrire ça après avoir travaillé avec l'angle qu'il avait sur les questions de la colonisation et d'esclavage. Enfin, voilà. Et moi, du coup, je suis devant une grosse schizophrénie. Là, tu m'as balancé hier soir, là, quand on a fait le truc, j'ai vu sa gueule là, dans le cadre de cet article, et j'avais un onglet ouvert où il était en train de parler esclavage, quoi. Et voilà, c'est quand même, même si, comme tu dis, j'imagine bien que vous les profs, vous n'étiez pas naïfs et que ceux qui le connaissaient l'étaient pas, et que c'était quand même déjà un homme de l'appareil en étant le directeur de institution, quoi. Mais oui. C'est quand même, voilà, pour moi qui suis en train de faire les dents en même temps, c'est chelou, quoi. C'est compliqué. C'est un grand écart intellectuel, là, difficile, c'est sûr. Bon, c'est d'autant plus décevant qu'en plus, Pape Diaye, il a des propos sur la violence de la police. Il parle d'une chose très sérieuse, c'est ton appartenance à la gauche. Il a une colonne vertébrale sur pas mal de choses. Et pour ça, d'ailleurs, il se mange une vague immonde de racisme.
il a eu juste à apparaître pour que déjà on l'attaque sur qui il est, en tant qu'homme non blanc, et en plus en tant qu'intellectuel qui a travaillé sur la colonialité et le racisme. Donc voilà, c'est d'autant plus... Bon, on a envie de le soutenir contre ces vagues immondes, et à la fois, quand on lit ça, on se dit, bon, c'est, ben, on va devoir frayer quand même sur pas mal de choses. C'est pas facile. Et en plus de ça, se rajoute effectivement la part du service public d'éducation. Donc, qu'est-ce qu'il fout là ? J'ai envie de dire, frérot, va-t'en. Ouais, grave, c'est... Mais bon, voilà, bah écoute, on l'a déjà vu ça aussi, hein, des cautions, machin et tout, quoi. Bon. Oui, mais tokenise, ça c'est sûr, mais il le savait quand même. Il est pas... Là, par contre, il n'est pas naïf non plus. Il savait qu'à l'instant, il rentrerait dans le gouvernement de Macron, il allait se faire tokeniser comme un fou, et que... Mais là, quand même, sur ce propos précis, là, cette laïcité de combat, quand il semble épouser la ligne, ouais, aïe, aïe, j'ai pas trop envie de voir la suite s'aggraver, quoi. J'espère bien que... Alors, il dit que la laïcité n'est pas une chasse aux sorcières, ben ouais, c'est une liberté de croire ou de ne pas croire, c'est un principe, bon, il rappelle les principes de la laïcité... Ouais, ouais, Corbeau, t'as raison, hein. De toute façon, les shitstorms qu'il subit depuis... D'ailleurs, au passage, il a été instrumentalisé, souvenez-vous bien du moment où on a parlé de Pabia, et c'était juste au moment de la percée de la LFI, juste avant les élections législatives, et tout, etc. Voilà. Après, la shitstorm qu'il a subi, comme d'hab, hein, vraiment, voilà. Non, il a été... Mais d'ailleurs, ça nous a solidarisé avec lui un minimum, quoi, et d'ailleurs, il en a conscience. Je le sais, il le dit. Il dit que, en dépit du fait que, effectivement, on va les enseignants, déjà dès mardi, nous, hein, on est dans la rue pour ça, ils vont essayer de tout faire pour contrer sa politique d'éducation. Il a quand même reçu de notre part une solidarité assez forte à l'égard des propos qu'il a reçus. Et du coup, parce que vous n'étiez pas tous là au tout début, je profite de ce que dit là Andrea pour faire un point promo-programme. Demain matin, il y a des grandes chances, mais on verra avec Andrea, qu'on se fasse un petit point sur ce qui va se passer cette semaine en termes de mouvement social et d'horizon sur ce mouvement social. En revanche, cette première partie rubrique Abrac, revue de presse, elle ne durera pas forcément très longtemps parce qu'avec Qu'est-ce que tu en dis, tous les trois, on va vous proposer un react sur une conférence de Frio qu'on va travailler nous cet après-midi. Et en parallèle de ça, dans quelques temps là, tout à l'heure, mais après c'est heure réunionnaise, heure française, et nous il sait que donc heure réunionnaise, heure française, en tout cas dans pas très très longtemps, vous allez avoir Sila et New qui vont interviewer quelqu'un qui est dans un centre de rétention fermé, je crois, là-bas à La Réunion. Si New et Sila passent, ils vous le réexpliqueront. Et sinon, moi je restreamerai sur le travail social et la construction de l'État mardi matin, et ensuite on verra pour vendredi. Et donc j'annonce qu'avec Andrea, on est en train de préparer, et avec pas mal de monde, un mag plutôt le jeudi soir, qui sera cette fois-ci orienté, bah, nous, nos vieilles amours, hein, manga, culture pop, art et société, quoi. Et qui sera un truc sous une modalité un peu nerveuse, sans tunnel, avec beaucoup de rubriques, etc., quoi, sur une autre formule. Voilà, c'était juste histoire de donner quelques petits éléments par rapport à ce qui va se passer. Andrea, je te laisse répondre à Corbeau, là, sur la manif Interpro. Tu sais mieux que moi, ouais, ça. Ouais, mardi, il y a une intersyndicale, en tout cas, même là, sur les lycées pro, spécifiquement, mardi. Mais tout le monde se met en ordre, là. Je crois que là, on est sur quelque chose qui va toucher à peu près tous les corps, là. Je ne sais pas ce qu'il en sera des raffineries, si a priori, devrait continuer quand même la grève. Il faudra voir ça aujourd'hui, comment ça se passe, parce que là, il y a eu la CFDT qui a négocié, qui a dit oui à une négociation. Bref, mais sinon, il était question des routiers, il était question de Sudrail aussi, qui voulait se mettre en grève. Bon, voilà, il y a pas mal de gens qui vont sortir là dans les jours à venir. Et mardi, nous, on a un gros mouvement, une opération lycée professionnel mort. Mais bon, encore une fois, le SNETA étant le syndicat majoritaire des lycées pro, j'ai pas beaucoup d'espoir. Pourtant, lui se met aussi quand même en grève, attention. Mais voilà, on verra. J'aimerais bien que ça débouche sur quelque chose
de péchu pour une fois. Parce que la culture de la caisse de grève, par contre, chez nous, elle est totalement à refaire, soit dit en passant. Oui. Donc. Tu fais bien de le dire, parce qu'il y avait eu un moment, notamment, je me rappelle, si vous vous souvenez, il y avait eu les grandes grèves anti-retraite, qui en fait avaient été interrompues par le début du Covid, et il y avait eu un certain nombre de... il y avait eu toute une réflexion sur, à l'époque, qui était vachement intéressante, qui avait commencé à être lancée sur qu'est-ce que c'est qu'une caisse de grève, où elle va, etc., et qui avait été interrompue au moment du Covid, et ça serait bien qu'à un moment, effectivement, ces débats-là, ils reviennent sur la table. Tu fais bien de le dire, quoi. Ah, j'ai trop envie de t'offrir. J'aimerais qu'on puisse t'offrir une grève générale pour tes 50 ans, Barbara. Ça serait vraiment ouais. là. Ça serait chouette, ouais. Non, ouais, je pense que là, voilà. Donc, on verra bien ce qui va se passer maintenant. On est sur quelque chose qui là va plus mobiliser que la laïcité, c'est sûr. On parle là de réforme du lycée professionnel. Nous, c'est vrai qu'on est atteint avec une violence particulière. Depuis longtemps, on veut transformer le lycée professionnel en CFA, en vrai. Voilà, avec toute la gestion qui va derrière, hein. D'accord ? Et les lycées pro sont dans une merde, excusez-moi l'expression, noire par rapport au budget. Donc, ne serait-ce que pour envisager des formations quand même qui soient mises à jour. Hein, on nous a calqué des réformes. Voilà, on fait des familles de métiers, comme ça on va voir l'évolution des métiers vers demain, niveau de... tous les enjeux environnementaux, on a zéro moyen pour faire ça, zéro, ça vous étonnera pas. Il y en a beaucoup qui bloquent sur les salaires, qui sont quand même effectivement une chose importante, mais moi j'ai tendance à bloquer sur les moyens qui nous sont attribués pour faire l'école, tout simplement, quoi, pour enseigner, former, et on forme à des métiers quand même, je le rappelle, et donc on nous demande de partager déjà, bon ça c'est le jeu, ça fait longtemps, nous on est lycée pro, on partage une partie de la formation avec l'entreprise, mais là il s'agira de vraiment la déléguer littéralement à l'entreprise et d'être nous on est une variable en fait, on fait court quand on peut avec les moyens qu'on a et avec toujours moins d'heures matières et pour préparer finalement une formation maison pour les entreprises qui n'auront plus qu'à recruter des salariés comme sur des bassins d'emploi avec vraiment une cohérence qui sera donnée entre la formation, le bassin d'emploi. Vous voyez, ça craint vraiment, quoi. On n'est plus du tout déjà, même sur le en tant que diplôme, le bac pro est déjà fortement menacé depuis longtemps, puisque il est pas soumis il n'y a pas d'équité du bac pro clair et net. En fait, on est surtout en contrôle en cours de formation. Donc il y a des matières qui sont encore en national, mais voilà, on est sur du bac pro maison, de plus en plus, on y va de plus en plus. Donc on va essayer de voir ce qui peut se faire, mais je pense que déjà c'est pas trop tard, mais presque, voilà. Donc dans la fabrique du prolétariat de demain, on nous met justement le marché en main, quoi. C'est vos postes, ou vous faites ce qu'on dit aussi, parce qu'on nous ferme des postes à tour de bras, quoi. Voilà. Merci pour ceux qui donnent des infos là pour la semaine prochaine. Merci Rage et tout, quoi. On fera le calendrier des luttes sociales. Les cheminots, ah oui, les cheminots parlent de grève reconductible. Ouais. La disparition du lycée pro sous statut scolaire, exactement, c'est ça. On devient des CFA, quoi. Mais on pourra s'y pencher plus clairement, si vous voulez, sur ça, sur ce qui est vraiment la gestion d'un CFA et ce qui est promis au lycée professionnel. Ouais. Avec la moitié du temps scolaire consacré à des stages. La moitié. Là, c'est vraiment... ça, plus la généralisation de l'apprentissage. Ça va être...
très compliqué de gérer ça. Les routiers. Oui, oui, mardi, les routiers, ouais, effectivement. Donc, ouais, mardi, ça commence, hein, vraiment, on verra bien ce que ça donne, mais il y a une très, très forte. Bien. Bon, par rapport à notre laïcité du coup de combat, voilà, j'ai essayé de vous présenter un petit peu tout ce que le ministre nous remet sur le tapis, qui va être quand même bien, bien problématique aussi, puisque il s'agit là de mettre en place des protocoles pour signaler toute atteinte à la laïcité. Et tout ça en respectant un cahier des charges qui pour moi, relève de ce que voulait le printemps républicain. Voilà. On a Sarah El Haïry, donc, qui a commenté les attaques. Ouais, les atteintes à la laïcité, parce qu'elle appelle ça des attaques aussi, de toute façon. Elle dénonce une offensive dans des milliers de vidéos sur TikTok. Donc, ils veulent même s'approcher de la plateforme, discuter avec les responsables pour s'assurer que ça soit régulé, modéré, régulé. Je ne sais pas du tout l'espoir qu'ils peuvent placer en leur rêve, là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi, j'avoue que je ne m'intéresse pas du tout à TikTok. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui savent si c'est possible que des politiques s'approchent, comme ils l'ont fait sur Facebook, hein, d'ailleurs, hein, d'une plateforme pour demander des choses sur ce registre-là. Hein, voilà, il y a des atteintes à la laïcité. Maintenant, il faudra arrêter les conneries. Je ne sais pas du tout. Mais on en est là, quoi. C'est-à-dire à promettre aux gens « Oh ben, on va aller réguler ça avec directement à la plateforme aussi. » Ah, bon. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, eh ben, on va demander aux chefs d'établissement d'être beaucoup plus vigilants sur la façon dont les filles s'habillent. Voilà, pour faire le topo, c'est ça. Donc, petit rappel, moi, j'ai envie quand même de rappeler des choses sur la laïcité. Juste, et alors là, on a d'ailleurs un thread que Nicolas Cadenne avait produit. Je ne sais pas si je te l'avais donné, Philippe. Mais pour faire bonne. C'est une série de tweets, ouais. Bon, après, sinon, c'est. Voilà, on est. Attends, je te le donne si tu veux. Il répond d'ailleurs à Sarah El Haïry aussi, parce qu'elle a fait. Elle a fait 3-4 minutes sur BFM qui ont été découpées d'ailleurs, qui sont. Voilà. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une erreur déjà de commise sur la notion de prosélytisme dont parlait Pape Diaye, hein, d'ailleurs. Quand Pape Diaye parlait de prosélytisme, en fait, à la tenue. Donc lui, ce qu'il rappelle à toute fin utile, c'est que le prosélytisme ne se caractérise pas du tout par le port d'un signe religieux. Un signe religieux, on le porte pour soi. Donc, le prosélytisme, c'est ce qui vise à susciter l'adhésion d'autrui à ses convictions. Donc, c'est un comportement actif. Voilà. Actif. En parole, en geste, en écrit. Voilà. C'est... Donc, déjà, petite remise à niveau, c'est le prosélytisme en portant un habit. Non. Non. Ensuite, il rappelle aussi que la loi de 2004, puisque c'est elle qui... Bon, elle est attaquable, je le comprends très bien, mais au moins sur ce point-là, elle n'a pas été comprise. Donc, dans la défense que l'éducation nationale a fait de la loi de 2004, il y a un problème aussi. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'imposait pas de base à la loi de 2004 la neutralité des élèves de l'enseignement public, mais leur discrétion. Donc, ils pouvaient porter des signes discrets. Donc, c'est vrai que voilà, on ne peut pas. Alors, c'est là où c'est donné un peu à l'appréciation, et c'est pour ça qu'ils essayent, Pape Diaye et compagnie, hein, ils essayent de clarifier les choses pour les chefs d'établissement qui parfois vont un peu trop loin. Mais alors, tout ce qui est trop visible serait interdit. Donc là, c'est vrai que les robes, du coup, ils vont dire ah ouais, mais ça, c'est super visible, d'accord ? Donc voilà, là, on va avoir un petit souci, je pense.
Mais comme les élèves ne sont pas des agents publics, ils peuvent quand même porter des choses. Voilà, si, ce n'est pas du prosélytisme. Donc, voyez, la frontière, elle est très fine entre est-ce que c'est visible de tous et que c'est problématique ou est-ce que non. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que on ne peut pas faire la police du vêtement et que un signe doit vraiment, alors pour qu'il soit considéré comme ostentatoire, il faut vraiment qu'il soit très très fort en fait. Et qu'il soit systématique. Voilà, déjà. Même le bandana, en vérité. Voilà. Si le bandana est porté tous les jours et s'il ne peut pas être enlevé à un moment, là, peut-être que. Là, c'est vrai que dans la loi, le chef d'établissement a autorisation à faire un signalement et voilà, enjoindre la personne à le retirer, au moins dans certaines situations. Mais. Voilà, normalement, c'est pas. Et puis il y a tout les prosélytismes, oui. Le prosélytisme, c'est. On est bien d'accord que voilà. Là, ça va viser clairement. On est bien d'accord. Beaucoup, hein, dans leur communication, ça vise beaucoup les musulmans et les musulmanes surtout. Mais on est d'accord que effectivement, c'est toutes les religions qui étaient censées être visées. D'accord. Voilà. Donc, beaucoup, d'ailleurs, Kaden rappelle que, ironiquement, beaucoup de ceux qui s'insupportent d'atteinte à la laïcité à l'école envoient leurs enfants dans le privé. Et dans le privé, nous rappelons à toute fin utile que crucifix et signes religieux sont vraiment absolument partout. Hein. C'est possiblement. Hein. Et le privé catholique, hein, je parle. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur une réaction des parents, par exemple, et notamment ceux-là qui sont... les parents vigilants à la Zemmour, là, qui sont vraiment sur un catholicisme de confession et qui vont ne pas hésiter, ou même s'ils ne sont pas catholiques, vont se trouver des racines chrétiennes et ça les dérange moins que leurs enfants soient dans une école confessionnelle catholique, privée sous contrat pourtant, mais qui peut disposer de signes religieux, ça les dérange moins que de savoir que leur enfant peut partager une cantine halal ou avec d'autres, ou que dans la classe, il y ait une jeune fille qui s'habille avec une robe un petit peu longue. Vous voyez, on a là-dessus beaucoup de tensions aussi qui viennent du regard des autres, en fait. Et que les chefs d'établissement, d'ailleurs, sont obligés de gérer. Et comment les gèrent-ils? Souvent en stigmatisant la religion musulmane. D'accord? Ça peut arriver, quoi. Et ça arrivera de plus en plus souvent si on a un cadre qui devient... vraiment là, institutionnel et qui est relayé par le ministre à nouveau, quoi. Moi, je. Voilà. Donc, rappel très clair qu'un signe ou une tenue n'est pas religieux par simple suspicion. C'est ça qu'il faut. Voilà. Et ça, le problème, il est là. C'est que beaucoup sont dans la suspicion. Elles portent ce bandana, elles portent cette tunique, elles portent cette robe. Donc là. Voilà, c'est du alors en aucun cas c'est du prosélytisme en tout cas normalement, mais voilà, on n'est pas non plus censé la soupçonner de porter ça pour des raisons religieuses, d'accord. Donc si ça peut être porté notamment par n'importe qui, je veux dire voilà. Donc c'est très 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 compliqué cette histoire là. Il n'attrape pas la musulmanite, ouais. Oh non, mais c'est voilà, non, on est sur une réponse quand même qui a été assez rapide à cette vague de vidéos TikTok. Et je trouve ça quand même assez symptomatique. Voilà. Très surprenant de la part d'Indiaï, mais voilà, c'est pour dire que les chefs d'établissement, quand même, doivent regarder précisément les signes ostensibles. Et c'est que là, il y a une demande de régulation. Alors, ils diront toujours qu'en plus, c'est pour éviter le flou et l'injustice, bien sûr. Mais bon, là, je trouve que quand même, ça va être compliqué de faire dans la précision. Hein. Voilà. Donc, la loi de 2004, c'est un enjeu. C'est devenu un enjeu à nouveau. Voilà. Le claquet de chaussettes, ouais, c'est un souci, ça quand même, ouais. <C'est>... mais non, mais en plus, un chef d'établissement qui
se respecte, s'il interdit, enfin s'il dit à une jeune fille par exemple, non mais vous venez pas là avec ce crop top ou parce que ce n'est pas une tenue adaptée au lycée, ben il dira au gars en short ou en claquette chaussette de pas la même chose. Hein. C'est alors c'est pareil là, c'est un débat ça, hein. C'est un débat qui agite le corps professoral aussi bien que les parents, je pense, comment s'habiller au lycée. Est-ce que voilà, ça c'est plus large en fait comme débat. Moi j'ai pas de réponse à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on focalise beaucoup sur la tenue des jeunes filles. Voilà. Et ça me pose problème. C'est toujours plus ou moins ça. Ouais, voilà. L'entrée jeune fille, c'est vraiment un truc sur lequel tu insistes là depuis le début de ce truc-là. Et voilà. ça fait aussi un peu. Ça fait vraiment réfléchir quand même. Le bandeau Naruto. Mais oui, mais après voilà, en plus moi je sais pas, mais je suis dans un lycée où ça se passe super bien ça, donc ça me paraît d'autant plus voilà. Justement, bah, après on est... ça rejaillit aussi sur tout à l'heure je parlais des on a des gars qui se pointent, ils ont des trucs Naruto, oui mais nous on les a, hein, les otaku qui ont des trucs un peu sympas, des petits, tu vois, on a de tout en fait, il y a vraiment absolument de tout quoi. Mais après, ça rejaillit aussi, tu vois, là, moi, j'ai une étudiante qui porte le voile, qui va passer les concours de travailleurs sociaux et qui m'a dit hier, mais monsieur, ça veut dire que l'intégralité de mon oral, il peut porter sur la question du voile. Elle va travailler toute l'année, faire des stages, elle a eu une expérience de ouf, elle a plein de choses à donner et tout. Et oui, il y a des grandes, grandes chances que l'intégralité de son oral porte autour de la question du voile, quoi. D'accord. Tu vois, ouais, c'est... Ouais. Bon, si l'autre, ça a porté sur sa situation intime, tu vois. Donc, du coup, on voit bien que ça, cette question des habits, hein, de toute façon, la police de l'habit et un certain nombre de choses attenantes, tu vois, débordent l'école et vont dans toutes les couches de la société à tout niveau, quoi. Voilà. L'habit, le voile comme une espèce de bah, comme la panique morale, la reine des paniques morales, quoi, le voile, quoi, vraiment. Ah, puis maintenant, la robe, c'est-à-dire que là, on est... tu vois, le voile, ok, ça date de... C'était quoi, les premières histoires, comme ça, 89 ? À Creil, c'est avant même 86, je crois, Creil. C'était 86, chez moi, c'était ouais, dans mon collège. Vois, c'était des... Bon, ok, donc là, ils ont légiféré en 2004, parce que blabla, et maintenant, c'est le bandana. Moi, je vais te dire un truc, quand j'en ai un bandana, personne ne me tient la veste. Mais ils vont aussi, tu vois, il y a bandana et bandana aussi, il y a ce, tu vois, il y a le bandana genre années 50, tu vois, tu peux même te mettre le fichu sur la tête avec des lunettes. Sur le Bermuda, sur le Bermuda. Personne ne prend la veste, mais dès que c'est une jeune fille qui est musulmane, mais aussi arabe, en tant que musulmane blanche, on ne tient pas la veste, par exemple. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Et moi, mais tu vois, il y a Reg qui dit pour le Bermuda, pour les hommes, il est interdit aussi, il me semble. Alors, c'est un petit peu différent, moi, je comprends. En fait, c'est surtout une pression des profs des profs femmes qui disaient, ouais, il y en a marre, que ça tombe toujours sur les jeunes filles, nanan, etc. Ça, c'était à l'époque string, crop top et tout, etc. Et donc, c'est vrai que si le Bermuda a pu être interdit, c'est aussi en réponse à ce côté-là, parce que les garçons, on leur a jamais rien dit, quoi. Et il y a un moment, nous, c'est les profs femmes qui ont dit, ouais, oh, il y en a un peu marre que... Donc, c'est cette compensation-là. Ça, on est dans un autre cadre, en fait, par rapport aux Bermuda des hommes, quoi. Bon, après, moi, si ça tenait qu'à moi, on ferait. Mais on n'est pas dans cette même logique. Et je la comprends aussi, cette logique. Nous, c'est un truc dont on avait parlé en salle des profs à cette époque-là. Et je comprends mes collègues femmes qui, à un moment, ont mis le Bermuda sur la table. Elles ont mis aussi le Bermuda sur la table parce que de l'autre côté, il y avait... voilà. Donc, ça aussi, quoi. Oui, par équité, par esprit des... Ouais, un voilà. Peu, ouais. Ouais, je comprends. Et ça, je comprends aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, il est un peu différent le cas du Bermuda des garçons. C'est pour une fois, il y a une pression des collègues femmes sur cette question-là. Et franchement, ça fait aussi un peu du bien parce que de tout ce que vous décrivez, Andrea, depuis le début, c'est à chaque fois, c'est rasso sur les femmes et dans une certaine dynamique néolibérale. Vraiment, à chaque fois, on a un peu les trois points, quoi. Ouais, et puis c'est toujours de la subjectivité pure. Une CPE qui va dire à une élève de terminale, ou peu importe de quoi, hein, d'ailleurs, ça peut être en seconde, c'est la même, qui a un short en jean,
Un short, hein. Ah, pas un shorty radu, non. Un short. Avec des revers, vous savez. Avec des collants opaques. Une paire de Doc Martens, 8 trous. Ou 10 trous, je sais plus. Enfin, un truc, voilà, des Doc. Une chemise blanche et une veste. Elle va lui dire, ce n'est pas une tenue adaptée à l'école. Ben nous, on a fait là, on est devenu un peu berserk. Ses camarades de classe, qui étaient essentiellement des mecs, parce qu'on est dans une filière essentiellement masculine, ils ont fait, mais ils sont allés voir la CPE, ils ont dit non, mais pourquoi? C'est quoi le là, c'est quoi le problème? Le lendemain, ils sont tous pointés en short. On peut aussi avoir des, vous voyez, c'est... tout ça. Moi, c'est un des meilleurs moments de ma carrière à ce niveau-là. C'est la subjectivité des personnels s'applique, et donc là, pour le coup, c'est vrai que qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui n'est pas adapté, elle a bloqué sur le short, ce personnel-là, d'accord, le short. Mais le short accompagné de collants opaques, de Doc Martens, de rien de sexy d'ailleurs, purée, c'était quoi le sous-entendu? Vous perturbez les garçons, vous avez un short, on voit vos jambes, mademoiselle. C'était quoi le truc? Elle a même pas su d'ailleurs l'assumer, ça. Tu vois? Donc, on est sûr de l'appréciation de ce qui peut perturber. C'est quoi qui peut perturber à part les adultes, en fait? Ouais, voilà, c'est ça qui est insupportable. Voilà. Des fois, on parle de gamines de 12 ans et demi, quoi. Putain, c'est ça aussi. Toute la période, toutes les périodes, honnêtement, je leur dis, hein, toutes les périodes string crop top, c'est juste immonde, quoi. Franchement, de voir ces connards-là. Qui nous parle du nombril d'une fille de 12 ans, quoi. Franchement, ok, les gars, merci. Super. Alors, le nombril d'une fille de 12 ans, le short d'une fille de 18, ouais, la robe longue d'une gamine qui veut s'habiller comme ça parce qu'elle a quand même ce droit-là aussi de ne pas rentrer dans ces canons de mode. Oh, bah tiens, tu dois montrer que tu es une occidentale ou que tu n'es pas une bigote. Le bandeau sur les cheveux de la gamine qui a pris cette habitude-là parce qu'elle sait qu'elle peut pas porter le voile, mais elle met ce bandeau. Mais ça fait chier qui, au fond? Dans la mesure où, en plus, elle s'adapte la plupart du temps quand même, je veux dire, je dis elle parce que ce sont des filles hein, qu'on stigmatise là-dessus, à des activités sportives, elles jouent le jeu, quoi. La plupart jouent le jeu, en vérité. Peut-être qu'il y a des gamines et des gamins qui jouent pas le jeu sur des trucs, mais à la rigueur, tu vois, ça c'est de ça on fait vraiment généralisable, et c'est ça qui fait vraiment qui pose question. C'est le vêtement en fait en soi, et ça, vous allez voir que ça va relancer le débat sur l'uniforme. Andrea, il y a Donio qui me dit que. Je pensais qu'il déclenchait plus tard, mais que Scylla et New, on va y aller, hein, ils ont déclenché, ouais, et puis ça va être ça une super interview qu'ils vont faire éventuellement. Qu'est-ce qui te reste, toi? Raconte-moi. Non, un spécial, on a fini là, parce qu'on discute en fait. Ouais, c'était cool. C'était ce matin, c'était un peu prévu, hein, tu me l'avais dit hier soir, qu'on échange à partir de celle-ci, quoi, de panique. Ouais, je vais vous remettre mon générique panique morale, franchement. D'accord, puis après on y va. Ouais. Je vous remets mon générique panique morale. Je rappelle, nous on se retrouve demain matin à 8h. On complétera si toi tu as besoin et que tu penses à des trucs, de toute façon tu me dis et on complétera. Nous on se voit cet après-midi avec Andrea et Questandi pour vous préparer un react sur une conférence de Frio que Questandi nous a déniché. Et mais oui, il y a eu On voit ton soutif, bien sûr, il y a eu On voit ton soutif, quoi. Et donc de toute façon on a tout eu, quoi. On va tous aller, en tout cas je vous emmène tous chez Scylla et New, qui vont nous proposer une interview de quelqu'un qui est présent dans un centre fermé et sur lequel ils vont revenir sur un certain nombre de problématiques qui animent leur stream. J'ai fait un long petit message là, je vous le remettrai pour une petite pub pour les
pour les copains du gauchistan, quoi. Donc remontez un petit peu le chat, vous le retrouverez. Donc nous on se retrouve demain matin, donc à partir de 8h au moins pour une espèce de petit proc de ce qui va se passer cette semaine et d'une petite réflexion peut-être entre nous et surtout entre vous vis-à-vis de cette question de la semaine prochaine, quoi. Mardi je vous proposerai un truc sur la sociogénèse de l'État, la construction du travail social. Je pense que je vais le faire autour de ça, quoi. Je verrai. Et jeudi soir, c'est la première de notre grand mag manga, qui sera un mag collectif, quoi. Donc je vous en redirai enfin mag manga culture pop, je vous en redirai des news dans la semaine. Je vous remets le petit clip panique morale, histoire qu'on finisse sur ça. Et je lance un raid. Ouais, bah Vincent, moi j'ai beaucoup stream sur Chapoutot, là, sur ça, quoi. Ouais, ce sera la panique manga. Ce sera la panique manga, ça effectivement. Sera cool. Donc, j'aurai encore une action sur le CRA de Nantes, mais il y en a eu une hier, où il y avait une action à Nantes, là, devant la préfecture de... Ouais. Hier après... Ouais, tu vois, j'étais pas là, moi, j'étais à manger. Il y aura d'autres actions pour l'ouverture du centre de rétention. Je crois que, ouais, là, c'est... Bon, on va se faire un peu le point, là. Moi, je vais fouiller un petit peu, là, pendant la petite pause qu'on a. Et je vais regarder un petit peu ce qu'on vous apportera. Donc, d'un CRA en Loire-Atlantique. Je vais aller suivre un peu tout ça. En plus, hier, j'étais en stream, quoi. Donc, petit générique panique. Et ensuite, on va tous chez Scylla. Des bisous à tout le monde. Ouais, bisous tout le monde. Et à demain matin, de toute façon, nous. Demain matin, 8h. Allez, okay. Des bisous à tous. Salut. Un vent mauvais traverse l'Atlantique en ce moment, celui de l'idéologie woke, le wokisme. Est-ce qu'il représente pour vous un nouveau visage de ce qu'on pourrait appeler la tentation totalitaire? Est-ce qu'il vous inquiète sous le signe d'un totalitarisme nouveau? Elle est de limiter le champ des possibles, on veut nous faire honte de voyager en avion ou de manger de la viande ou de se déplacer. Voilà, si vous voulez. Mais de quoi avez-vous peur? J'ai peur d'abord. De quoi le j'ai peur? Le mâle blanc, hétérosexuel, de plus de 50 ans que vous êtes, de quoi a-t-il peur? C'est moi. Pour dire que vous allez faire de ce combat contre ce nouvel objet. Obscurantisme, l'élément au centre de votre politique. Pourquoi présentez-vous le wokisme comme un nouvel obscurantisme? Parce qu'il l'est. D'accord. Vont en fait s'appuyer sur des affaires qui paraissent généralement absurdes, peuvent être en tout cas présentées comme telles, dans lesquelles il va y avoir la possibilité de créer un méchant stéréotype. Ça va être le lobby LGBT qui veut embrigader les enfants, ça va être les antiracistes séparatistes ou les néo-féministes extrémistes qui haïssent les hommes, etc., dont on va parler comme étant le méchant du jour. Hein, les gens qui passent ne comprenaient pas mes envisages, je me suis senti mal, ils ont froissé mes sentiments. Je me suis enfermé dans une salle en disant je suis brisé, je vous en supplie, laissez-moi respirer. Voilà, voilà. Allez, bye bye tout le monde, des bisous, des bisous, des bisous. Le raid a été créé, je le lance maintenant, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes. Des bisous à demain matin pour nous, et puis on va faire des bisous à Scylla et New qui ont préparé un super truc pour tout le monde. Ciao, ciao. Ok, je coupe. Voilà.